Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a le volume ou pas. Bonsoir à tous. Dites-moi s'il y a le volume ou pas du tout. Bonsoir. Je ne sais pas s'il y a le volume. Je veux voir les commentaires apparaître pour voir s'il y a le volume ou pas. Dora, bonjour. Merci de partager le direct, bipez les voisins, s'il vous plaît. J'ai un droit de réponse rapide à faire à Dekoma Mogo. Donc, essayez de bipez et partager le direct. Je vois ça sur ma page. Ah, ok, il y a le son pour toi. Ok, c'est bon. Il y a le son, ok, d'accord. Je n'arrive pas à voir. Attendez, je cherche le direct hein, pour voir où il se trouve. Ok, j'espère que vous allez bien. Bon week-end. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Essayez de partager le direct. Bipez les voisins. Je vais aller très rapidement. Affaire d'Angelo, là. C'est un vieux problème. Je ne sais pas. Ça date de. Ça fait combien de dimanches que. Ça fait 3 semaines que j'ai parlé de ça ou bien ça fait 1 mois? Ça fait 3 semaines. Attends, ce que je ne comprends pas ici sur cette toile. Ça, c'est quel buzz qui ne finit pas? Ça, c'est quel buzz? Ça dit que je ne comprends pas pourquoi le problème, tous les buzz passent ici. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Le dossier là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier jusqu'à ce que le buzz ne finisse pas? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette histoire qui ne fait que s'envenimer, s'envenimer, s'envenimer? Je pense que le concerné avait dit ici là que il avait donné son avis que lui va aller. Lui va aller porter, ou c'est, il faut aller porter plainte. Je pense que c'était la position. La plainte a été déposée, mais c'est que je dis, hein, le problème continue à s'envenimer. Moi, ça dit que, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est ce que je ne, il y a quelque chose que je ne comprends pas, quoi. À qui a intérêt à continuer à envenimer ce problème? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Pourquoi le problème l'a perdu? Depuis plus de 3 semaines, on a tapé les heures et les heures et les heures de direct là-dessus. C'est quoi le sujet en fait? Le problème l'a resté là, pourquoi? Moi, je vais apporter un élément de réponse à qui là? À Dekoma Mogo. Dekoma Mogo, cher frère, bonjour. J'ai constaté que quand le problème est arrivé, tu as passé 3 jours, je pense 3 jours, pour m'insulter. Donc c'est mon droit de réponse parce que tu m'as insulté pendant au moins 3 jours. Tu as fait une chanson dans laquelle tu m'insultais. Je t'apporte un élément de réponse par rapport aux insultes que tu as proférées à mon égard.
Tu sais quoi de Komamugu? Tu sais quoi de Komamugu? Dans cette histoire de deux personnes qui concernent D'Angelo et qui concernent la victime, je dis et je répète, c'est deux problèmes différents. C'est-à-dire que ta séparation avec ta femme, c'est votre problème. Le problème de D'Angelo et SJ, c'est encore un autre problème. Ça fait deux problèmes différents qui n'ont rien à voir. Si tu te sépares avec ton frère à femme, je dis encore une chose. Ce n'est pas une nouvelle séparation. Des séparations ici, là, sur les réseaux sociaux, il y en a des tonnes, il y en a des dizaines chaque jour. Les amitiés qui se séparent ici, il y en a des dizaines chaque jour. Il faut laisser les gens respirer. Tu nous as toujours framponné ici, là, nous les femmes, que quand les amitiés finissent, voilà comment ça se passe. J'ai été déçue de ta séparation avec ta femme, qui est ton frère, et vous êtes des hommes. J'aurais souhaité que vous vous sépariez en tant qu'hommes, des hommes qui ont des couilles. C'est-à-dire que vous ne vous séparez pas comme nous, les femmes, avec des clashs, les tu avais dit que, les tu avais fait que, les tu avais fait que, les tu avais fait que. J'ai demandé à la femme de prendre de la grandeur. C'est-à-dire que tout le monde le sait. J'ai dit à la femme de ne pas entrer dans ce jeu. C'est-à-dire de ne pas t'insulter. Depuis, comme tu peux le constater, c'est toujours toi qui insultes la femme. La femme ne peut pas lancer un direct et il se met à t'insulter. La femme a lancé des directs, il a demandé pardon et il est passé dessus. La femme n'est plus sur ce dossier-là. Mais c'est toujours toi qui ne prends pas de la grandeur et c'est toujours toi qui continues à insulter la femme. Tu as insulté la femme ici-là. Tu as insulté la femme ici-là plusieurs fois. J'ai demandé de la grandeur et j'ai dit à la femme, tu es le petit frère de Komamugu, c'est lui ton aîné. N'entre pas dans ce jeu de clash, ne l'insulte pas. Parce que nous sommes ici là, nous sommes nos napolaires. Vous pouvez vous séparer aujourd'hui comme ça, c'est pas la première fois. Quand il y a eu l'histoire des premières refoulées, tu t'es séparé avec la femme, il y avait des problèmes avec la femme, et après vous avez recommencé. Donc c'est pas la première fois, c'est fort possible. On ne sait jamais. Comme vous êtes nos napolaires, que vous vous séparez, chaque jour toi tu clashes avec ta Atouk. Chaque jour tu clashes avec ta Atouk. Mais parfois tu clashes avec ta Atouk, parfois tu te réconcilies avec ta Atouk. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que tu ne vas pas te réconcilier avec la femme? Voilà pourquoi j'ai demandé à la femme de la grandeur. Je ne voudrais pas que la femme entre dans ce jeu-là et se mette aussi à t'insulter, que tu insultes la femme seule. Malgré cela, je pense que tu n'as pas aimé, c'est ton droit, et tu as commencé à m'insulter, à me lyncher. Voilà ma réponse. Bien évidemment, je ne vais pas lancer un direct pour me mettre à t'insulter, comme tu m'as insulté là. C'est que je n'ai rien compris des réseaux sociaux. Franchement, c'est que je n'ai rien compris des réseaux sociaux. Tu m'as insulté pendant 3 jours. Tu as fait une chanson dans laquelle tu m'insultais. Ok, c'est très bien. Mais je veux te poser une question. Histoire de deux personnes là, qui ont parlé dans les inbox là. Toi, tu viens m'insulter. Mon nez était là quand les gens là parlaient dans les inbox. Quand D'Angelo parlait avec SJ, mon nez était là. Mon gros nez que tu as insulté là. Où était le rapport? Mes grosses joues que tu vois là. Quand D'Angelo parlait avec SJ, j'étais là. Quand D'Angelo était ami avec la femme, j'étais là. Quand D'Angelo était ami avec Kiko, j'étais là. Où est mon problème là-dedans? Où est le problème de la grosseur de mon nez dedans? Si on te demande que tu m'insultes, pourquoi? Tu vas dire que tu m'insultes, pourquoi? De comment Mugo, pendant 3 jours, toi-même, tu ne peux pas prendre de la grandeur. Tu es pressé pour nous framponner ici, là, nous les filles, les clasheuses. Koho, telle fait mal. Koho, telle a fait ceci. Koho, telle a fait cela. Tu es toujours pressé pour nous framponner. Mais toi qui te framponnes, tous les jours que Dieu a créés, on combat mon église. Je défends mon église. Ah, mon frère de Komamugu. Qui combat ton église, mon frère? Qui combat ta page? Pourquoi tu es obsédé par cette histoire? Qui te combat? Moi, j'ai fait un direct il y a peut-être 3 semaines. Un direct de 5 heures de temps. Le débat est passé. C'est toi qui envenime les choses. C'est toi qui remets. Regarde aujourd'hui ce matin encore. Tu es encore sur le même problème là. Maintenant, tu clashes Tatiana Mimbang. Tu as déjà fini de m'insulter, aller-retour final. Maintenant, c'est Tatiana Mimbang. C'est toujours toi qui reviens sur ce problème-là de Komamugu. Toi, tu veux quoi? Demain, tu vas te victimiser en disant que Koho, on clash ton église. Koho, on combat ton église. De Komamugu, mon frère, qui combat ton église? Qui te combat? Tu m'as insulté pendant 3 jours. Est-ce que je t'ai répondu?
Tu penses que c'est parce que je n'ai pas envie, je ne connais pas mettre la caméra aussi pour te répondre? Je prends de la grandeur. Parce que j'estime que quand SJ et d'Angelo Black étaient dans leur inbox, moi, j'étais pas là. La grosseur de mon nez que tu insultes là. Oui, mon nez est gros. Mais dans la grosseur de mon nez là, où était le rapport avec d'Angelo Black les histoires des réseaux sociaux? Non, attends. Où était le rapport entre d'Angelo Black et SJ et la grosseur de mon nez? Les gens font leur truc dans les inbox. On va t'expliquer combien de fois. C'est une séparation qui s'est mal passée. Il y a quoi de Komamogo? C'est la première séparation qui se passe mal. C'est la première séparation qui se passe mal jusqu'à ce que chaque jour que Dieu a créé, tu vas revenir sur ce débat-là. Chaque jour que Dieu... Et après, tu vas te victimiser. Que les gens attaquent ton église. De Komamogo, j'ai quelque chose à te dire. De Komamogo, je veux te poser une question. Ce matin, tu clashes Tatiana Mimbang. Tu dis que Tatiana Mimbang est partie parler dans le direct de Tatouk. Qu'elle parlait dans le direct de Tatouk. Il faut que tu viennes la clasher parce qu'elle a parlé du problème de D'Angelo dans le direct de Tatouk. Qu'est-ce que D'Angelo Black lui-même, il est venu te dire? Elle a le droit de s'exprimer. Mon frère de Komamogo, j'ai juste une question à te poser. Si Tatiana Mimbang pas parlé de cette histoire chez Tatouk, mon frère, si tu fais vu et ignorer, quoi va faire? Si tu fais vu et ignorer mon frère de Komamogo, ça va te tuer. Toi-même, tu ne vois pas que c'est toi qui ne fais qu'envenimer ce problème-là. On était tranquille. Moi, j'étais dans ton direct le jour où tu as posé ce problème-là. C'est toi qui as porté ce problème-là sur la toile. Moi, je ne savais pas. J'étais là tranquillement, je regardais ton direct. J'ai vu que tu commençais un direct. Après, dans le direct, tu dis que bon, mon église a un problème. Quand tu as parlé de ce problème-là, tu n'as même pas expliqué en profondeur. C'est quand Sylvie Tenier est montée qu'elle a expliqué combien une fille draguait ceci avec D'Angelo, avec ceci, cela et ceci, cela. Mais c'est quel problème qui ne finit pas, mon frère de Komamogo? C'est quel problème? Si Tatiana Mimbang pas parlé chez Tatouk, mon frère, si tu fais vie ignorer, ça va faire quoi? Moi-même qui suis là, tu m'as clashé pendant 3 jours. Tu as fait la chanson pour me clasher, insulter mon nez, insulter mes joues. J'ai fait vie ignorer, tu as vu que je suis morte? C'est obligé de répondre, mon frère de Komamogo. Je ne peux pas te clasher, je ne peux pas t'insulter, je peux me mettre à ton niveau. Parce que je sais que c'est D'Angelo Black qui t'a demandé de venir m'insulter. C'est D'Angelo Black qui t'a demandé de venir m'insulter. Le même D'Angelo Black, là, pose-lui la question. Quand ce problème-là est sorti, pourquoi D'Angelo Black ne t'a pas dit la vérité? C'est lui qui est venu m'appeler. C'est D'Angelo Black lui-même qui est venu m'appeler. J'étais tranquillement dans ton direct en train de commenter. Puisque moi, je ne comprenais pas le problème. La preuve, c'est que quand le problème arrive, je coupe même la partie, j'appelle au secours D'Angelo Black. Qu'est-ce qui ne va pas à l'église? D'Angelo Black, lui, il m'appelle. Il m'appelle, il me dit que... Alors que je suis en train de commenter, puisque tous mes comptes sont bloqués. Sinon, si mes comptes n'étaient pas bloqués, moi-même, je devais entrer dans le direct quand Virus est entré dans le direct. Tu te victimises trop de Komamogo. Tout le monde bouffe les djangis. C'est qu'un djangui. Pourquoi t'as pas de djangui? C'est toi qui envenime ce djangui. Sinon, c'est qu'un djangui que tu ne fais qu'envenimer qui ne finit pas. C'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème de deux personnes adultes qui partent se voir? J'entends que les gens sont jalouses de comment il s'appelle même? De D'Angelo Black. C'est monté, c'est descendu, ça a tourné. C'est même quoi? Il y a quoi même? Il est qui jusqu'à les gens vont être jaloux de qui? C'est quoi? C'est un nouveau djangui? D'Angelo Black a cotisé dans tous les cahiers ici, là. D'Angelo Black, tu as cotisé dans tous les cahiers ici. Si tu bouffes le Njangui, ça fait quoi? Moi, j'ai bouffé un Njangui. Toi, tu es de partir demander à De Komamogo de m'insulter. Et alors, je suis morte. De Komamogo ne m'a pas insulté, c'est là gratuitement, cadeau pendant 3 jours. J'ai cotisé qu'un Njangui. J'ai cotisé quel cahier chez De Komamogo pour que De Komamogo m'insulte. Donc, vous pensez que quand on ne répond pas, c'est parce qu'on a seulement peur de Komamogo, puis on a peur de quoi? Tatiana Mimbang, tu ris quoi? Moi, là où je suis là, j'ai bouffé peut-être 30 noms chez De Komamogo pendant 3 jours. Il a fait la chanson pour m'insulter. Si tu demandes à De Komamogo, De Komamogo, moi, si là, j'ai cotisé qu'un Njangui. Pourtant, j'ai bouffé. Parfois, tu bouffes les Njangui que tu ne tontines pas. Chez De Komamogo, je n'ai pas cotisé de cahier. Pourtant, j'ai bouffé le Njangui. C'est quoi? C'est quoi cette histoire qui ne finit pas? C'est quoi cette histoire?
Chaque jour, envenimer la même histoire, envenimer la même histoire. De comment Mouga femme, c'est ton frère, c'est même quoi le problème? Tu veux te séparer de la femme, tu penses qu'on ne peut pas te dire que tu peux te séparer de la femme comme deux personnes adultes, c'est obligé que tu clashes la femme. Ras-le-bol, c'est obligé que tu clashes la femme. Vous êtes des hommes, vous n'avez pas de couilles. De comment Mougou, tu es mon frère, comment se fait-il que chaque jour que Dieu a créé, tu nous framponnes, nous les filles? Tu ne peux pas te séparer avec la femme en tant que grande personne? C'est même quoi? C'est même quoi ta séparation avec la femme qu'on ne peut plus boire l'eau? Matin, midi, soir. Donc toi, tu veux que la femme aussi commence à te clasher? On va arriver où avec ça? Moi, tu m'as insulté. Tu as insulté mon gros nez. J'ai parlé. Non, attendez. De comment, Mougou? Mon gros nez là que tu as insulté là. J'ai parlé. Non. Il y a des choses ici là. Prends de la grandeur. Fais du vie et ignorer. Avance. Donc, chaque jour que Tatiana Mimbamba allait parler chez Tatouk, toi, tu vas prendre le dossier là, revenir encore là-dessus. Tatiana Mimbamba allait parler chez une autre blogueuse. Tu vas prendre le dossier là, reviens là-dessus. Mais prends de la grandeur de Koma Mougou. Prends de la grandeur, c'est quoi le problème? Ça, c'est quel buzz qui ne finit pas. Même ceux qui n'ont pas cotisé dans les cahiers ont tontiné l'histoire là, c'est même quoi? Moi, j'ai cotisé quoi? De comment Mougou? Bon, tu m'as clashé pendant 3 jours, tu as fait la chanson pour me clasher. Mon cahier que j'ai cotisé chez toi, c'était combien? J'ai bouffé l'Njangui chez toi, non? Tu sais pourquoi je te réponds pas? Parce que c'est dangereux, Black, qui t'a demandé de venir m'insulter. C'est pour ça que je te réponds pas. C'est pas parce que j'ai peur de toi. Il y a quoi? Il y a quoi jusqu'à ce que toi, tu vas venir m'insulter? Pendant 3 jours, tu m'insultes pourquoi? Je t'ai fait quoi de comment Mougou? De comment Mougou, je t'ai fait quoi? Tu m'insultes pourquoi? Je dis, quelqu'un connaît le direct de Pascal Véron. Pascal Véron, notre frère Pascal Véron là. Pascal Véron, je t'ai entendu dire que les gens sont jaloux de D'Angelo, que c'est seulement la jalousie. Coupez la partie si vous donnez ça à Pascal Véron. Pascal Véron, tu sais quoi? Ça dépend de comment on t'explique la chose. Si D'Angelo Black drague 70 filles, mais où le problème est là où? D'Angelo Black sait ce que je lui reproche. D'Angelo Black, chaque fille qu'il est parti draguer ici là, j'ai les témoignages d'au moins minimum 3 filles. Dans lesquelles D'Angelo Black dit, quand il veut draguer une fille, il pas dit à la fille là que, tu vois Patricia là, elle est amoureuse de moi, elle m'aime trop. Il est là le débat. C'est que D'Angelo Black est un menteur pervers narcissique. Il faut le dire. D'Angelo Black sait que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, pourquoi D'Angelo Black a demandé à De Koma Mougou de m'insulter? Parce qu'il savait qu'il sait que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Et c'est que quand je dis qu'il y a les témoignages des filles avec qui il est menti, si on n'a pas interdit D'Angelo Black de draguer les filles. D'Angelo Black, tu as le droit de draguer 70 filles, 100 filles. Tu as le droit de les draguer. Mais le côté, ton côté malsain et ton côté manipulateur, c'est ça qui est dangereux. Tu viens aujourd'hui, tu fais les Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. D'Angelo Black, c'est aujourd'hui que tu sais que tu dois prier Alléluia, Amen. Quand tu es parti mentir les filles là-bas que non, tu vois partir. Quand tu veux soulever le caleçon d'une fille, tu es obligé de mentir sur mon nom. Tu es obligé de mentir. Tu veux qu'on te prouve le nombre de filles à qui tu as dit que, tu vois là, je sors avec Patricia. Patricia, elle m'aime, vraiment, elle m'adore. Patricia me discute. D'Angelo Black, non seulement tu l'as dit, mais tu sais que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Donc arrête ta mascarade là. C'est aujourd'hui que tu viens prier Dieu, Alléluia, Amen. Je suis pasteur. Tu n'as plus d'arguments. C'est aujourd'hui que Dieu est devenu sucré. Les arguments te manquent. Jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche, tu parles de manière de comment Mougou de m'insulter. Parce que tu es qui? D'Angelo Black, je te pose la question, tu es qui? Tu as expliqué à toute la toile que c'est toi qui m'as appelé pendant le direct. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Tu m'appelles, tu me dis que voilà, parce que je suis en train de commenter. Parce que moi, je suis en train de voir Kéké. Qu'est-ce qui arrive à l'église? L'église est en train de se séparer. Toi, D'Angelo Black, tu m'appelles. Tu me dis que oui, voilà. J'ai dit, mais D'Angelo Black, qu'est-ce qui arrive? Tu m'expliques brièvement que oui, il y a une fille et tout ça. Oui, tu étais allé en inbox avec elle. J'ai dit, attends. Quand toi, tu m'as expliqué, D'Angelo, même la victime là, SJ là, D'Angelo, j'ai une question à te poser.
D'Angelo. Oui. Qui écrit là? D'Angelo, j'ai une seule question à te poser. Quand tu es venu me dire, m'appeler pour me dire que SG a fait ceci, la fille a fait cela. Pourquoi tu m'as pas dit en amont que toi tu étais parti raconter à SG que moi je te pleure? D'Angelo, tu es malade. D'Angelo Black, tu es malade. Va te faire soigner. Va te faire soigner. Tu es malade. Jusqu'à Isaac Amditali, comment elle s'appelle? Comment la fille là s'appelle? Isaac Amditali s'appelle comment? Isaac Amditali s'appelle comment? Boumkena. Jusqu'à Boumkena, tu t'es levé, aller raconter à Boumkena que moi, je te poursuis. Moi, je t'aime trop. Toute fille que tu veux draguer, tu as le droit de draguer. C'est ton côté malsain là qui n'est pas bon. Tu sais que tu as menti à chacune des filles. J'ai des témoignages de chacune de ces filles à qui tu es venu mentir que non. Tu vois, Patricia là, c'est ceci, c'est cela. Toi, il demande à une blogueuse de prendre le dossier. Moi, je lui envoie toutes les conversations. Comment tu mentais, comment tu sortais avec moi. Tu es un menteur. Tu peux enlever le caleçon de chacune des filles ici sur la toile. Quand tu vas en inbox. Mais tu n'es pas obligé de mentir sur mon nom. C'est malsain ce que tu as fait. Tu sais bien que tu mentais. Et ne mens pas, ne tente même pas de dire que tu n'as pas dit ça. Tu as dit. Tu as dit. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre Tatiana Mimbar et toi? Qu'est-ce qui t'arrive même d'Angelo? Un de toi, après tu vas dire que les gens sont jaloux de toi. Un de toi, après tu vas dire que les gens sont jaloux de toi. C'est quoi même cette histoire? Aujourd'hui, tu te mets à prier Dieu. Quand tu mentais sur mon nom là, dans les ibords de chacune des filles que tu voulais draguer. Tu veux draguer telle fille, tu manques, tu vois Patricia là, elle-même. Tu veux draguer l'autre fille, tu manques, tu vois Patricia là, elle-même. Tu veux draguer l'autre, tu manques, tu vois Patricia. Ah, Kozou, c'est même quoi? C'est parce que tu manques de confiance en toi. C'est quoi ce manque de confiance en toi? Tu ne pouvais pas draguer chacune des filles tranquillement. Tu avais besoin de mentir sur mon nom. Tu n'avais pas besoin. Et quand tu vois que ça cuit sur toi, mais accepte ton djangui que ça a cuit et puis le buzz du deux jours. Et ça va passer, c'est quoi le problème? Quand tu vois que ça cuit sur toi, tu peux demander à Dekoma Mougou de me clasher pendant 3 jours. Et alors, il m'a clashé et après ça fait quoi? Tu penses vraiment, toi, d'Angelo, que moi, je vais prendre mon téléphone pour insulter Dekoma Mougou comme il m'a insulté? C'est le premier qui insulte la grosseur de mon nez. Quand Nivakin lave souvent mon nez, si... Quand Nivakin m'insulte souvent mon nez, si, ça change quoi? C'est de comment Mougou qui va insulter mon nez, mes joues, mes cuisses, mes ceci, cela. C'est ça qui va changer quoi? Tu n'as pas encore fini de dire de comment Mougou de m'insulter. Continue à dire de comment Mougou de m'insulter. Tu as compris, non? Toi, d'Angelo, la continue. Ça cuit sur toi. Ça cuit sur tout le monde ici, là, chaque jour. Mais c'est quel buzz qui ne finit pas? C'est quel buzz qui ne finit pas? Ça cuit sur tout le monde. Ça cuit sur tout le monde chaque jour. Et après, ça passe. C'est quoi le débat? Ah, merci, Kiko. Moi aussi, je pensais que vous avez eu quelque chose. Bref, tu as tout clair. Mais bien sûr! D'Angelo Black, je ne sais pas quel complexe d'Angelo Black a. C'est que, quand tu vas draguer une fille, parce que vous partez raconter des mensonges aux gens. Le débat n'est pas que est-ce que d'Angelo Black drague des filles ou pas. On s'en fout du fait que d'Angelo Black drague des filles. Le problème, c'est le côté malsain de D'Angelo Black. Quand D'Angelo Black part draguer une fille, il est capable de dire que tu vois Tata Lolo là, c'est manga, je couche avec elle. Tu vois Patricia Mel là, c'est manga, elle m'aime trop. D'Angelo Black, tu n'as pas besoin de mentir, tu n'es pas sûr de toi. Il faut être sûr de toi. Regarde, voilà Kiko même, Kiko est ton ami. Mais D'Angelo Black, j'ai des questions à te poser. Quand tu étais ami avec Kiko, j'étais là. Quand tu étais ami avec la femme, j'étais là. Pourquoi tu peux demander à Dekom de m'insulter? Quand tu finis de demander à Dekom de m'insulter, tu viens jouer par derrière celui qui fait Alléluia, Amen. Celui qui prie Dieu, Alléluia, Amen. Ce n'est pas toi qui es parti demander à Dekom à Mougou de chanter une chanson pour m'insulter. Jusqu'à on chante que Patricia Mel, refoulé. Ce n'est pas toi qui es parti demander à Dekom à Mougou de le faire. Et pas derrière, je dis un D'Angelo Black, tu es sûr qu'on ne sait pas, on ne connaît pas ton petit jeu là. On connaît bien ton petit jeu, hein. Tu as dit aux gens que c'est toi qui m'as appelé, tu n'as pas dit, tu as caché.
quand on te parle 1, 2, 3, tu dis que qu'elle a porté plainte. Elle a porté plainte que toi, ce, tu as combien d'identité? Non, toi, tu as combien d'identité d'Angelo Black? Dis-moi un peu. Toi seul, tu dragues une fille, tu es comptable. Tu dragues l'autre, tu es pâtissier. Tu dragues l'autre, tu es banquier. Tu dragues l'autre, tu es médecin. Tu dragues l'autre, tu as bac plus 15. Quel est ton vrai nom? Les gens connaissent son vrai nom ici, là. On porte plainte contre X, oui. Mais on ne porte pas plainte contre d'Angelo Black. Puisque tu sais que tu maîtrises le fait que qui a ton identité jusqu'à ce que tu vas dire que qu'elle aille porter plainte. J'attends la plainte. Tu attends quelle plainte? Tu lui as donné ton identité pour qu'elle apporte. Tu lui as donné ta vraie identité. Toi, tu as combien d'identité d'Angelo Black? Donc, vous pensez que personne ne vous répond pas, c'est parce que on a seulement peur de vous. On n'a pas peur de vous, hein. On manque le temps seulement. C'est le temps qui nous manque pour répondre. C'est quoi cette histoire-là? C'est le temps qui nous manque. Et l'énergie, parce que je vois pas un problème qu'on a fait 5 heures de direct là-dessus. Mais vous pensez que vous êtes le seul Njangui sur la toile? On doit parler de Coco Emilia, on doit parler de je sais pas quoi, de Yves Hidero qui s'est marié, on doit parler de c'est quoi chaque jour. J'ai aussi appris que papa, que Tata Lolo le kiffe. Ça aussi, c'était lui qui me l'avait dit et je l'ai cru. Mais tu vois, tu m'as... D'Angelo Black, tu restes notre frère et tu sais que je sais que tu es malade. Ça relève de la psychiatrie, mon frère. Tu as plusieurs personnalités à l'intérieur de ta tête. Tu as double, triple, quadruple personnalité. Tu peux raconter que tu sors avec Tata Lolo. Tu te lèves, tu peux raconter que tu vois Patricia là. Elle me kiffe, elle m'adore. Toi, tu es même parti raconter que Boum Kena, que je suis jalouse de Boum Kena, que toi tu aimais Boum Kena, d'Italie, d'Isakam. Et que moi, je fais la jalousie dessus. Regarde les trucs que tu peux raconter. Et avec ça, vous voulez qu'on vienne parler de quoi ici là? En dehors du fait que d'Angelo Black soit malade, tu as plusieurs personnalités, mon frère. Tu es malade. Et c'est tout à fait normal que ta seule excuse, c'est de dire Alléluia, mais d'aller te cacher dans la prière. Quand tu vas te cacher dans la prière, là, tu penses que tu peux tromper qui? Tu es parti te cacher dans la prière. Parce que tu sais que tu n'as plus d'issue, tu n'as pas d'explication à donner. Tu cours, tu peux te cacher derrière la prière. Dieu est monté, Dieu est descendu. Alléluia, amen. Prions Dieu et tout ça. Tu es un menteur. Tu es un menteur, laisse Dieu tranquille, dis donc. Tu t'es levé, allez parler à Boum Kena, Isaac, comme dit, allez, que moi, je suis jalouse d'elle. Et que toi, tu l'aimes. Et moi, j'ai dit que je n'ai... Hey, qui est mon frère? Si tu n'es pas malade, c'est quoi? Il n'y a personne ici, là, sur cette toile pour te dire que tu es malade. Parce que les gens ont peur de quoi? Étoile ou bien quoi que ce soit, rien à foutre. Si je sais que tu es malade, je te dis que tu es malade, mon frère. Voilà qui compte ici. Là. Il y a aussi Tatiana Bimba qui semble aussi sortir. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un gars que d'Angelo Black. Il y a quelqu'un qui peut biper mon frère Pascal Véron ici là. Parce que Pascal Véron, je vais te voir ici là dans le direct. Ici. Pascal Véron, tu sais quoi? C'est qui commente là jusqu'à elle jambe écartée. La petite soeur prodige, ça va. Ah, voilà ma petite soeur prodige qui commande. La lionne officielle, c'est la petite soeur, c'est ma petite soeur prodige. Vous savez que, j'ai même oublié, c'est une petite parenthèse. Je la vois rire jusqu'à elle écarte ses jambes. La lionne officielle, c'est ma petite soeur. Ça fait partie de nos petites soeurs têtues qu'on a ici là. On va faire comment? Moi, je porte la lionne officielle. Comme petite soeur, comme ma croix. Oui, même Jésus a porté sa croix. La petite soeur, la lionne, mal lavée, séchée, rincée, insultée, si là, chez Tatouk. C'est-à-dire que ma petite soeur organisait les directs là-bas, chez Tatouk, pour me laver, sécher, rincer. Voilà, ma petite soeur, elle fait comment? Mon père m'a appelé. C'est-à-dire que quand mon papounet m'appelle, c'est que c'est grave. Moi, je voulais d'abord fuir l'appel là. Il m'a dit que, ma fille prodige, ça va. Il dit que oui, quand tu m'appelles comme ça, là, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comment? Il me dit que tu sais que j'aime la peine, oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta petite sœur? Tu sais que c'est ta petite sœur, non? J'ai bagarré, il dit comme non. Le poésie, tu sais quoi? Ma petite sœur m'a insulté, dit que c'est la première petite sœur qui insulte les gens ici là. Supporte ta petite sœur, c'est comme ça. Hein, tu sais que j'aime la peine, non? Comment deux filles du même papa peuvent se fâcher? Je dis comme non, moi je suis l'aîné. Hein? Il dit comme non, en qualité d'aîné, voilà ta petite sœur a fait une erreur, elle t'a insulté. Là voilà, hein? Là voilà qui rit, jambes écartées. Voilà ma petite sœur là-bas.
La lionne. Petite soeur prodige. Elle m'a lavé, séché, rincé ici là. Qui ne bouffe pas un djangui ici là? Donc mon papounet m'a appelé, m'a dit que tu sais que je suis un homme de paix. Et puis c'est toi l'aîné. Je dis non, papounet, moi, n'accepte pas ça. C'est toujours nous les aînés que les petites soeurs têtues nous insultent. On va faire comment? Papounet m'a insulté, j'étais à Touk. Elle m'a insulté, j'étais à Touk. Chaque jour, elle m'insulte. Je dis que président Mota dit que c'est ta petite soeur, non, porte ta petite soeur comme la croix. On va faire comment? Quelqu'un a déjà jeté sa petite soeur parce que sa petite soeur l'a insulté. Même Tata Lolo a accepté que Toby c'est son fils têtu. L'enfant têtu. Tata Lolo a accepté que Toby c'est son enfant têtu. On va faire comment? Donc, je dis que tu riais, toi la petite soeur là, petite soeur prodige, tu riais. Va encore m'insulter, non? Comme tu ris là. Et elle m'insulte comme ça, c'est moi que le papounet gronde. Elle dit comme non, c'est toi l'aîné, non? Tu dis que t'as insulté, c'est une nouvelle petite soeur qui insulte. Ok, c'est comment? Tu sais que j'aime la paix, non? Comment mes deux filles peuvent être en guerre? Oh, vraiment. J'ai déjà dit que... Ok, elle va faire comment? Quand le papounet a déjà parlé, tu sais que président Motse, c'est la force de l'expérience. C'est un homme de paix, tu vois, non? Il n'aime pas les problèmes. J'ai dit qu'on va faire comment? Ma petite soeur m'a dit, ah, t'es mal là. Elle dit que non, ne parle pas. Moi-même, on me lave chaque jour. Waouh, petite soeur prodige. Je suis sauf que t'as croyé. Je dis que petite soeur prodige. J'ai bagarré avec mon papounet. Ce qui est bizarre, c'est qu'avec les petites soeurs, c'est que c'est ta petite soeur qui t'insulte, hein, mais c'est toi la grande soeur que le papounet appelle. Pour dire que mais tu es l'aîné, non? Et puis elle t'insulte, et puis quoi, c'est même pas toi l'aîné? Hein, tu ne vois pas que c'est ta petite soeur. Mon papounet me dit que, mais tu sais que je suis un homme de paix, non? C'est comment? J'aime la paix, mes deux filles doivent être en paix. Bon, votre histoire de la toile-ci. Donc, ma petite soeur prodige, voilà, il y a pas de problème entre nous. Tu sais, tu connais notre papounet. Quand il dit va, je vais. C'est comme ça. Quand il dit va, je vais. C'est comme avec, tu vois, l'autre côté là. Donc, quand il dit va, je vais. Voilà, c'est comme ça. Quand il dit va, je vais, il a demandé qu'il y ait la paix entre ses deux filles. Donc, tu es officiellement la petite soeur prodige. Tu es officiellement la petite soeur prodige. C'est ma croix, elle va faire comment? Quand si elle pose son direct, là, elle m'insulte. Elle se m'a dit amen. Même Tata Lolo supporte son fils têtu. Chaque personne supporte sa croix ici sur cette toile, si c'est la toile. Donc, Belin, on va faire comment? Donc, j'étais en train de parler de Komamogo. Tu sais, cher frère de Komamogo, n'attends pas de moi que je lance un direct où je te réponds par les insultes, comme tu m'as lavé. Tu m'as lavé, séché, rincé pendant 3 jours. Tu as chanté une photo, une chanson sur moi qui s'appelle Les Refoulés. Eh, Les Refoulés. Patricia May, Les Refoulés. Elle est refoulée. Tu vois, c'est d'un djangui. Et puis, c'est un djangui où je n'ai pas tontiné. Donc, je réexplique un peu ce qui s'est passé. Pendant que Deko Mamougou était en direct, il vient de poser un... Nous, on était calme. Le direct se passait bien. C'est le même Deko Mamougou qui vient déposer son église, que l'église a un problème et tout. C'est après que moi, je vois Sylvie Teigneur monter. Quand Sylvie Teigneur est montée, elle est venue expliquer qu'ou bien il y a une fille qui a fait quoi, il y a une fille qui est montée, ou bien c'est descendu, ça a tourné et tout. Ça a eu la tournure, que ça a eu la tournure là. Pendant ce direct-là, c'est D'Angelo Black qui m'appelle. Il m'appelle pendant le direct. Il me dit que je te vois en train de commenter. Parce que moi, j'étais en train de commenter que ouais, qu'est-ce qui se passe à l'église? Ouais, qu'est-ce que l'église a? Bipé le pasteur Samuel qui fasse entendre les gars de l'église, les membres de l'église, qui s'entendent cacher derrière. Étant bloqué dans tous les sens, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas entrer dans le direct. Donc, je voyais Virus Lydia parler que oui, calmez-vous, gérez le point, bac. Moi aussi, je voulais entrer, mais je suis bloquée. Mes comptes ne pouvaient pas lancer la caméra. Donc, je ne pouvais que commenter. Donc, tu vois, D'Angelo Black m'appelle. Il me dit que oui, il s'agit d'une fille et tout. Et D'Angelo Black, quand il m'appelle là, il ne me dit pas qu'à la même fille, il est parti mentir à la fille là que, pour draguer la fille là, il ne me dit pas qu'il est parti mentir à la fille là qu'il sort avec moi. Que je l'aime jusqu'à, ça là, il ne me dit pas. Il est parti dire à SJ, la victime, que moi, si là,
que je suis jalouse, qu'il aime Boumkena d'Italie. Non, elle s'appelle... Oui, Boumkena d'Italie, Isaac d'Italie. Et que moi, je suis jalouse parce qu'il y a des histoires à bracatabrantes qui n'ont pas de sens. Et ce qui est bizarre, c'est que lui m'appelle en amont. Au lieu de me dire la vérité, il ne me dit pas la vérité. C'est quand moi, je finis de faire le direct que chaque fille, sans que Patricia, il m'avait aussi dit que toi, tu l'aimes trop. Ok. L'autre sort, Patricia, il avait aussi dit que toi, tu l'aimes trop, tu le poursuis même partout. Ouais, qui est D'Angelo, tu n'es pas obligé de mentir pour draguer les filles. Tu as le droit de draguer, tu es humain. Tu as le droit de draguer. Il y a les gens qui prennent le problème là différemment. Il y a les gens qui prennent le problème là différemment en pensant que non, on a interdit d'Angelo Black de draguer les filles. Non, on t'a pas interdit. Moi, j'entends les gens dire que oui, si elles viennent à ton inbox, tu les mbindas correctement. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas là le débat. Le débat n'est pas là-bas. Par rapport même à moi, de comment Mougou m'insulte, me lave, me sèche, me rince, jusqu'à faire la chanson sur moi. Parce que c'est d'Angelo Black qui parle lui demander de m'insulter. C'est d'Angelo Black qui lui dit que va insulter Patricia. Parce que chacune des victimes est venue se plaindre que d'Angelo Black m'avait dit que d'Angelo, on ne drague pas les filles comme ça. Tu as le droit de draguer toute fille que tu veux. Et tu as le droit de minder avec toute fille que tu veux. Mais arrête ce complexe d'infériorité où quand tu veux draguer une fille, tu pars raconter que non, tu vois Patricia là, c'est ceci, tu vois Tata Lolo là, c'est cela, il faut arrêter. Même à Kiko, tu as raconté la même chose. Et puis d'Angelo, quand toi tu étais ami avec Kiko, j'étais là. Ton amitié avec Kiko, ce n'est pas ton ami. C'est ton ami qui t'enregistre parce que tu as dit que tu lui as montré la vidéo de SJ. Mais quand il t'enregistrait là, j'étais là. Je n'étais pas là. Donc à un moment donné, il faut... Ça, c'est Kenjangi qui ne finit pas. La reine Medio, tu ne peux pas entrer par ici. Hein? Change de profil. Essaye de voir si tu peux changer de profil pour entrer. Je ne pense pas que tu puisses entrer. Change de profil. Entre même pas Nathalie Babalé. Essaye de voir si tu peux entrer même pas Nathalie Babalé. Donc, mon frère de Komamougou, écoute très bien ce que je vais te dire. Si vraiment tu es un donneur de leçons, si vraiment tu nous framponnes, nous les filles, de toi à moi, laissons les fausses polémiques de toi à moi. Tu penses que ta séparation avec ta femme, c'est une séparation des hommes qui ont des couilles? De comment, Mougou? Oui, tu peux te séparer avec ta femme. Parce que ce n'est pas nouveau. Mais tu peux te séparer avec ta femme sans que quelqu'un, l'un ne clash l'autre. C'est-à-dire que ta femme reste dans sa page. Toi aussi, tu restes sur ta page et personne n'insulte l'autre. Ça s'appelle la séparation des hommes matures. La séparation des hommes matures. Tu n'es pas obligé d'insulter la femme chaque matin. La preuve, observe bien. Moi, j'ai demandé à la femme qu'un femme ne l'insulte pas. C'est ton aîné de Komamougou. Ne l'insulte pas. C'est obligé d'insulter la femme chaque matin. Et quand toi, tu vas insulter la femme tous les jours que Dieu a créé, chaque jour, tu insultes ta femme. Oh, le perroquet, mon ancien perroquet. Oh, le reflet. La femme ne te gère pas. Quand la femme a lancé son délire, elle n'a pas parlé de l'église. Tu peux te séparer de la femme. C'est une nouvelle séparation qu'on n'a jamais entendue. Tu peux te séparer de la femme. La femme fait, tu pouvais même faire que tu te sépares de la femme, mais personne n'est au courant. C'est-à-dire que les gens vont seulement constater que la femme ne framponne plus dans ton église et il est plutôt sur ta page. Ça s'appelle les séparations en grandeur. Ça s'appelle les séparations des grands hommes. Vous ne pouvez pas vous séparer comme les filles. C'est comme si je me lève là maintenant, je clash la reine Medio. Je clash la reine Medio, je me lève, je clash Rêve Mbiaye, c'est obligé. Si je veux me séparer, si je veux plus parler avec la reine Medio, je suis pas obligé de la clasher. Est-ce que le clash est obligé? Donc, de comment Mougou? C'est un peu bas. Moi, je ne t'en veux pas par rapport à moi. Hein. Je sais que c'est d'Angelo Black qui t'a dit de venir m'insulter. Tu m'as insulté pendant 3 jours. Jusqu'à chanter ma chanson. Patricia, mais... Ah, il n'y a plus de son. Le son est parti. Attends. Commentez un peu, commentez. Je veux voir. Décimé. Ah, Décomé, tu es trop bête et petit. Mais pourquoi Décomé Amougou? Non,
Moi, il faut dire la vérité. Dites-moi s'il y a le son. Hein. Dites-moi s'il y a le son. Dites-moi s'il y a le son. Est-ce que quelqu'un peut essayer d'entrer en direct là pour voir s'il y a le son? Peut-être que la personne qui voulait... La reine Mebio voulait entrer en direct, mais ça ne donne pas. Ça ne marche pas. Je vais voir un peu. Je vais voir, hein, si je peux l'appeler. Parce que ça, rien ne marche. Oui, il y a le son. Le son est bon. Ah, ok, d'accord. Ok, le son est bon. Attends un peu. Ça ne marche pas, ça ne passe pas. Est-ce que quelqu'un peut tenter d'entrer là, peut tenter d'entrer pour voir si si le truc marche? Attends. Ça ne marche pas. Ah, le son. Je t'entends en tout cas. Allô? Oui, allô? Oui, oui, je t'ai mis en direct, hein, parce que ça, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Je t'écoute, Marine Mebio. C'est comment? Ça va, ma chérie, ça va. Oui. Tu voulais intervenir dans le direct? Oui, je voulais me réveiller et puis j'ai vu le direct du Dangelo, tout ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Maman, c'est quel buzz, Marine Mebio, c'est quel buzz qui ne finit pas? Quand l'Ndjangui arrive, ça finit, non? Aujourd'hui encore, femme était, comment il s'appelle? De comment Mugu était encore dans le direct pour la même chose. Les mêmes choses. D'Angelo Black était encore dans le direct d'Afam aujourd'hui. De comment Mugu aujourd'hui. La même chose. Le problème, c'est qu'il me gêne avec de comment c'est qu'elle. De comment dit que son église est attaquée. Il faut qu'il sauve son église. Mon frère de comment? Qui attaque ton église? Personne n'attaque ton église, mais en fait, c'est toi qui fais revenir cette histoire à chaque fois. Même D'Angelo Black t'a dit la vérité aujourd'hui, c'est toi qui reviens encore dans cette histoire. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas courir partout dire que l'église est attaquée. L'église, personne n'attaque ton église. La preuve, c'est que tu m'as clashé pendant, de quoi m'a clashé pendant 3 jours, la reine Mebio, tu as coupé, non? Tu as posté sur ta page. Bon, la reine Mebio, est-ce que j'ai répondu à Decom? Voilà! Je n'ai pas répondu à Deco parce que ça vaut pas la peine. Tu veux que je réponde quoi sur une histoire de sang caleçon? Ou mon nez est insulté? Waouh, l'histoire de mon nez là me fait rire jusqu'à. Non, mais c'est vrai. Une histoire de deux personnes, l'une séparation s'est mal passée. Mais attends, on ne va pas rester sur ça pendant 10 ans. Chaque jour que Dieu a créé. Et puis moi, je veux parler un peu de la séparation. Reine Mebio. Je veux parler de la séparation d'Afam et de Com. Mon avis là-dessus, c'est quoi? C'est que c'est des hommes, non? Si Afam se sépare avec de Com, chacun reste sur sa page, non? Est-ce qu'ils ont besoin de se clasher? Le débat est où? Est-ce que ce clasher sont obligés? Voici la reine Mebio aussi au téléphone. Tout le monde sait que la reine Mebio a pris position. Elle supporte D'Angelo Black. Là, voici ici au téléphone. Est-ce qu'on se clash? Une histoire de sang qu'elle est parce qu'elle soutient D'Angelo Black. Voici la reine Mebio. Elle soutient D'Angelo Black. Et alors? Et alors? Je soutiens la victime. Et alors? La Black Beauty soutient D'Angelo Black. Et alors? Vous pensez qu'on va se clasher pour une histoire de sang qu'elle est? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous pensez qu'on n'a rien à foutre? Vous pensez qu'on n'a rien à faire? Rêve MDI soutient D'Angelo Black. C'est son droit. Et moi, je vais me lever à aller clasher Rêve MDI. Pour quelle raison? Foutez la paix aux gens? On s'en fiche. Chacune de nous a ses raisons. Et puis, chacune de nous a le droit de soutenir qui elle veut. Rien à foutre. Voici la reine Mebio au téléphone. Pourquoi elle ne me clash pas que, oui, tu soutiens la victime. Moi, je soutiens D'Angelo. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais franchement, qu'est-ce qu'on a à cirer? Vous pensez qu'on a rien à faire? Qu'on a rien à faire? De comment Mugu dit que oui, l'église est attaquée. Quand moi, je défends les, tu défends qui? Tu défends qui? D'Angelo Black t'a expliqué les vrais problèmes. D'Angelo Black. Bon, de comment Mugu, si tu défends D'Angelo Black, moi, j'ai une question à te poser. Dis à D'Angelo Black que ce n'est pas lui qui m'a appelé. Que D'Angelo Black te dise la vérité, pourquoi tu fuis le débat? C'est lui qui m'a appelé, non? C'est lui qui m'a appelé, lui-même qui m'a appelé, non? De comment Mugu? Quand il m'a appelé là pour m'expliquer le problème, moi-même, quand j'ai fini, j'ai dit, ok, attends, quand les femmes m'ont appelé pendant 5 heures de temps, j'ai dit au groupe de femmes, ok, d'accord, je m'avais dit à comment il s'appelle? À D'Angelo Black que vous m'avez appelé. Maintenant, je me lève, je pars dire à D'Angelo Black. Je dis D'Angelo, à femme et autres ont considéré qu'il faut que je fasse le direct.
voilà leur position, voilà ta conversation, voilà. Bref, j'ai des preuves compromettantes. Dangereux Black, j'ai une question à te poser. Mais quand tu causais avec ton ami Kiko là, j'étais là. Quand tu as avoué à ton ami Kiko que oui, les vidéos de SJ que je t'ai envoyées. Mais attends, Dangereux Black, moi j'étais là. Pourquoi tu es faible comme ça? Tu demandes à de comment Mougou de me clasher. Pendant 3 jours, tu n'as pas honte? Tu penses que les pètes que tu fais là-bas derrière, tu penses que je suis pas au courant? Tu manques de couilles ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, même Dangereux Black? Qu'est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'arrive? Boum Kena t'a dit ici là que tu es pervers narcissique. Tu peux parler à Boum Kena? Boum Kena dit, t'as l'air, t'as pas dit que tu es pervers narcissique. Tu peux parler? C'est Baptiste Mette à moins cher parce que tu sais que je ne fais pas les directs. Je n'ai pas le temps des directs. C'est même que Djangi qui que les gens n'ont même pas cotisé, les gens bouffent le cahier. Moi, mon cahier là, que j'ai tontiné quel cahier là-bas à l'église. Mon seul temps, c'est que Dekoma Mougou, c'est quelqu'un que il n'a pas pu se séparer de son petit frère à femme sans se clasher. Matin, midi, soir, il clash son petit frère à femme. J'ai demandé à femme que la femme ne répond pas à ce clash-là. Il y a quoi? C'est quoi? C'est un caillou, c'est une tontine aussi. Et on est mazo, hein? Et on est mazo de Koma Mougou. Comme Dangereux Black te demande de me clasher là. Mais pourquoi tu as arrêté? Clash-moi même 2 semaines, non, de Koma. Clash-moi même 1 mois. Tu as fait une seule chanson sur moi, c'est petit. Fais même 10 chansons sur moi. Mais je suis sûre et certaine que c'est Dangereux Black qui te demande de me clasher. C'est tout. Ça, c'est quelle séparation que... Attends. Chaque jour, voici la reine Mebio ici, là. Si j'ai un problème avec la reine Mebio, on est obligé même de venir sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle de la grandeur. Reine Mebio va m'appeler. Je vais appeler reine Mebio. Chacune va rester sur sa page. Si j'ai un problème avec Rêve Ndiaye, on va s'expliquer. Elle m'appelle, je l'appelle, je lui donne mes arguments, elle me donne ses arguments, chacune va rester. Si on décide qu'on ne se parle plus, mais chacun reste sur sa page. Est-ce qu'on est obligé de se clasher? Tu nous reproches, toi, dans mon frère, comment il s'appelle? De Koma Mougou. Tu es le premier à reprocher aux femmes que vous faites ci, vous faites ça, tu es donneur de leçons. Te séparer à femme sans clash, ça t'a dépassé. Matin, midi, soir, tu es là, tu clashes à femme. Matin, midi, soir, tu es là, tu clashes à femme. C'est quoi le problème? Toi aussi, sois aussi grand. C'est pas toi aussi, ta femme, sans clash. Nous aussi, on veut voir. Tu penses que tu donnes une belle image aux femmes? Si c'était nous les clasheuses, là, d'accord. Mais pourquoi tu te sépares avec ta femme en clashant? Prends de la grandeur de Koma Mougou. C'est tout. Il y a un problème là-dessus. Bon, clash-moi alors. Clash-moi. Insulte encore mon nez. Nivakina vient insulter mon nez fatigué. Ajoute encore ta patte. Tu insultes mon nez correctement. Et voici mes cuisses. Comme tu as dit que mes cuisses sont grosses, là, comme les jambonneaux. Eric, Reine Mebio, de comment vous dites que mes cuisses, que entre mes cuisses et mes mollets, il n'y a pas de différence. Que c'est gros comme pour le jambon. Ouais. De comment vous m'avez fait bouffer un djangui de 3 jours, jusqu'à il a ajouté la chanson dessus. Bon, moi, si je comprends bien, oui. L'affaire SJ, D'Angelo, tout ça, c'est pas encore fini, quoi. Ça tourne encore dans les inbox, ou bien c'est qu'on a relancé le directeur. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Le problème, c'est que, Tatiana Mimbang, apparemment, elle est partie parler là-bas chez Tatouk. Tu vois, non? Apparemment, elle a relancé l'affaire. Je n'ai pas écouté. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté là-bas chez Tatouk. Le problème avec Dekoma Mougou, qui est notre frère, c'est que Dekoma Mougou ne sait pas faire du vu et ignorer. Mais c'est lui qui est toujours en train de se plaindre que ce problème est toujours là. Si Tatiana Mimbang pas parlé de ce problème chez Tatouk, il est venu encore faire le direct le matin, il a encore reparlé de ça pour dire qu'il clash Tatiana Mimbang. Regarde après mon direct et tu vas encore voir Dekoma Mougou va encore me reclasher. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se plaint que ce problème perdu. Après, c'est lui-même qui va venir raconter que on attaque l'église. L'église a attaqué. Je combats mon église. Mais qui attaque ton église, mon frère? Personne n'attaque ton église. Mais arrête de remettre cette histoire-là sur la toile. Dangereux Black a dit qu'il attend, la plainte. C'est tout. Le débat est clos là-dessus. La plainte a été déposée. C'est tout. Chaque jour que tu as créé, tu vas ramener ce problème-là. Après, toi-même, tu vas te victimiser. Que, on attaque l'église.
Oh, on attaque l'église. Qui attaque ton église? Il faut arrêter de raconter des bobards. Ok. Donc, maintenant qu'on dit qu'on va faire la sortie. Oui. C'est là que toi. Mais c'est depuis qu'on parle, nous, les dangereux, toi, tu n'es pas sorti. Non, je n'ai pas. Je ne vais sortir. Pourquoi, ma reine Medio? Je vais même sortir pour dire quoi? Moi, j'ai tapé cinq. Attends, la reine Medio. Deux personnes ont un truc ensemble. Ils sont des adultes. J'ai déjà tapé 5 heures de direct là-dessus. Mais la reine Mebio, après 5 heures de direct, il y a encore quoi à dire? Il y a encore, ça sert à quoi? C'était des adultes. L'autre n'a pas eu d'argument convaincant. D'Angelo Black, il a dit que va porter plainte. C'est tout. Les va porter plainte. Depuis qu'il dit va porter plainte, chaque jour, il passe dans le dicame de direct de comment mourir. Il fait Alléluia, Amen. Il prie Dieu. Comme s'il ne pouvait pas prier Dieu avant. Même s'il prie Dieu, notre problème est là où en fait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu pries Dieu maintenant chaque jour. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Quand tu étais dans les inbox des gens en train de mentir sous mon nom, j'étais là. Quand tu as fait ton amitié avec Kiko, j'étais là. Quand tu étais ami, toi d'Angelo Black là. Quand tu es parti mentir à Kiko que je suis très amoureuse de toi. Tous les mensonges que tu as fait à Kiko là, j'étais là. J'étais pas là. Alors oui, tu peux dire à Dangelo de comment mon goût de me laver, sécher, rincer chaque jour. Tu penses que je ne vois pas ce que tu fais? Quand tu finis de lui dire de me laver, tu viens kounia kounia à l'église. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dieu a dit que c'est monté, descendu, c'est moi. Tu viens faire les prières à l'église alors que c'est toi qui demandes de quoi mon goût de me framponner. Nous sommes mazo ici, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas le temps de lancer les directs. Et tout ça. Alors, sinon, on est mazo, hein. Ça chauffe pas, hein. D'accord? C'est quoi ce poème qui ne finit pas? De comment, Mougou? Moi, je t'annonce aujourd'hui que c'est dans ta tête que tu crois que l'église est attaquée. Personne n'attaque l'église. C'est toi qui remets cette histoire-là. C'est toi qui ramène toujours cette histoire-là. Personne ne cherche l'église. On n'en a rien à foutre. La femme fait des direct. Il vit sa vie. Il ne parle plus jamais de l'église. La femme vit sa vie. Toi-même vis aussi ta part de vie. C'est quelle séparation qui ne finit pas? Voilà ce qu'on appelle les grandes dames. Elle dit que quand un poème arrive sur la toile, Reine Mebio peut me dire que, mais Patissa, je supporte D'Angelo Black. Moi, je lui dis que moi je supporte la victime. Elle s'appelle SJ. Et alors? Il y a quoi? Donc, je vais mourir avec la Reine Mebio parce que elle supporte D'Angelo Black, moi, je supporte la victime. Ça fait quoi? De comment vous, voilà les signes de grandeur. Voici la Reine Mebio ici. Elle a le droit de supporter D'Angelo Black. Il y a quoi? J'ai le droit de supporter SJ. Il y a quoi? Pourquoi vous n'acceptez pas les arguments différents? Ça fait quoi? Donc nous sommes mortes. Moi, je pars dans le direct de Rêve Ndiaye. J'adore ces directs. Elle a le droit de supporter D'Angelo Black. Et alors? Dans Rêve Ndiaye, on doit mourir parce qu'on supporte deux personnes différentes. C'est même quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On était là dans leurs inbox. C'est quoi? Ha! Je dis que, Coco, quoi tu dis souvent quoi? Non mais, sérieux quoi. Ok. Donc, et D'Angelo, les personnes à qui D'Angelo a raconté qu'il oui. C'est preuve à l'appui ou c'est bavarder pour bavarder? Non, moi je peux pas bavarder. Est-ce que j'ai le temps de bavarder pour bavarder, ma reine Mebio? Okay. Si tu veux, hein, si tu veux, tu pars, tu demandes à D'Angelo Black. Si tu veux, tu demandes à D'Angelo Black, ok. Patricia te reproche d'avoir dragué les filles en mentant que tu sors avec elle et qu'elle est folle de toi et tout ça là. Il est allé raconter des bobards. Maintenant, si D'Angelo Black dit que c'est faux, dit, tu me demandes moi que il accepte de faire un direct chez toi et j'apporte les preuves. Et il faut qu'il conteste les preuves là. Reine Mebio, la réalité c'est que c'est même D'Angelo Black qui m'a appelé pour me parler de ce problème là. Lui-même, s'il nie, pose-lui la question que qui a mis Patouchou dans le problème là. C'est lui qui a mis. C'est lui-même. Reine Mebio, si tu veux prendre le dossier, pose la question à D'Angelo Black. Ok. Est-ce toi qui as appelé Patricia? Elle était tranquille en train de regarder le direct. C'est toi qui l'as appelé, oui ou non? Il va te dire, s'il a les couilles, il doit te dire que oui. Reine Mebio, le direct de 5 heures de temps que j'ai fait là. Est-ce que tu sais que quand je finis de causer avec les femmes, quand Kiko me dit qu'il a enregistré son ami D'Angelo Black, c'est les amis, hein. Quand
S'ils étaient amis là, moi, j'étais pas là. Oh. Quand Kiko me dit qu'il a enregistré D'Angelo Black et il me fait passer l'enregistrement dans lequel D'Angelo Black avoue qu'il a montré les vidéos de SJ à Kiko. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok. Quand il finit de me faire écouter comme ça, je lui dis ok. Comme j'ai écouté ça, je m'en vais comme ça là appeler D'Angelo Black. Je rappelle D'Angelo Black. Je dis à D'Angelo que waouh, l'autre côté ça a cuit sur toi. Vraiment, j'ai des preuves compromettantes parce que je savais que j'avais écouté sa voix. Son ami Kiko l'avait enregistré. Je lui dis à lui que sache que là où je suis en train de t'appeler là, j'ai déjà dit de l'autre côté que je m'en vais t'appeler comme ça. Hein. Ils ont dit que oui, que je viens t'appeler. Je dis ok, mon frère, j'ai des preuves compromettantes. Qu'est-ce qui t'arrive même? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai entendu la voix de D'Angelo en train d'avouer que oui, je t'ai envoyé les vidéos de SJ. D'Angelo n'a pas le droit de montrer les vidéos de SJ à Kiko. Ça ne se fait pas. Il sait bien que c'est ça qu'on lui reproche. Pourquoi est-ce que tu montes les vidéos d'une femme à ton ami Kiko? C'est ça qu'on te reproche, D'Angelo. C'est tout. C'est quoi le débat? Tu n'avais pas à lui montrer ces vidéos-là. Et tu sais qu'on a la preuve que tu as montré ces vidéos-là. C'est quoi ton problème? Maintenant, je l'appelle. Je lui dis que waouh, c'est moi qui dois faire le direct demain. Et je lui explique, voilà comment ça va se passer. Je vais faire le direct demain et tout. Remets bio, comme tu entends là, hein. Je lui explique ça. Et je lui explique, il me dit que ouais, est-ce que tu veux alors que j'appelle ma bulle? Je dis que ok, préviens alors la bulle. Tout tu fais pas dans la transparence, hein. Dans la bulle, il y avait de Komamugu et Sylvie Ténière. Je parle à de Komamugu. Je dis que waouh, de Komamugu. Là-bas, de l'autre côté, ça a cuit. Il faut que je fasse le direct demain. Voici ici là mon ami D'Angelo Black et tout. Je suis en train de lui expliquer que j'ai des preuves malheureusement compromettantes que il a montré la vidéo à Kiko parce que c'était sa propre voix. Maintenant, suis-je responsable du fait que son ami Kiko l'a enregistré? Je ne suis pas responsable, Renmé Bio. Si ton ami t'a enregistré, mon problème est là où je suis responsable. Je suis pas responsable. Quand il faisait leur amitié, j'étais là, j'étais pas là. Donc maintenant, je cause avec Sylvie Ténière et comment il s'appelle? Et de Komamugu. Je leur explique, ok, je vais faire un direct demain. La victime va venir s'exprimer là-dedans et tout. Voilà. Le lendemain, j'ai fait un direct. Ça m'a coûté 5 heures de temps. Ça m'a coûté 5 heures de temps. Il y a quoi même? Ok. Donc, on a les preuves. Regarde, Dangote Pikin dit soutien total pour D'Angelo. Mais tu as le droit. Dangote Pikin, toi, tu crois que la reine Mbio ici, là, ne soutient pas D'Angelo. Elle a le droit. Vous pensez qu'on a un problème parce que quelqu'un soutient D'Angelo? Quand tu viens écrire que soutien total à D'Angelo, toi, Dangote Pikin, mais tu me fais rigoler. Tu me fais rigoler. Tu penses que j'ai lancé le direct sans lui dire? Il était en accord avec moi. Tu sais pas ça? Tu penses que tu viens inventer, tu viens créer quoi? Avant de lancer le direct, on s'est appelé avec Sylvie Ténière, avec De Komamugu. J'ai expliqué à De Komamugu que, waouh, voilà ce que j'ai parlé avec les femmes pendant 5 heures de temps. Voilà, je vais lancer le direct demain. Il savait que je vais lancer le direct demain avec l'accord de D'Angelo. Et D'Angelo a même dit que Patricia lance le direct, qu'on crève l'abcès et qu'on en finisse avec cette histoire. D'Angelo Black que tu vois là. Et c'est le même demain qui vient dire à comment on appelle, à De Komamugu que clash Patricia. Mais vous pensez que clash a déjà fait quoi? Toi, Dangote Pikin, tu viens écrire que soutien total à D'Angelo. Mais qui est l'ennemi de D'Angelo? Tu es malade dans ta tête, Dangote Pikin. Tu penses qu'il y a quelqu'un ici là qui est l'ennemi de D'Angelo? Tu es malade? D'Angelo est un humain. Il a dragué plein de filles en inbox. Et alors, on s'en fiche des filles qui draguent en inbox? Le débat est qu'il ne faut pas que quand il part draguer des filles en inbox, il ramasse mon nom ou il ramasse le nom d'une autre blogueuse. Il part raconter des bêtises. Il a un côté malsain. C'est tout. Sinon, qui est son ennemi ici? Qui est son ennemi? Là où tu veux écrire soutien total, tu crois qu'il y a quelqu'un qui déteste D'Angelo ici? Ok. Allô, Patou? Oui, le Phoenix. Le Phoenix est en train de poser une question. Le Phoenix demande que... quelle loi interdit? Ça s'appelle du viol, le Phoenix, si tu ne sais pas ça. Le Phoenix, ça s'appelle du viol. Tu n'as pas le droit d'enregistrer une fille à son insu et tu n'as pas le droit de montrer ça à une tierce personne. Tu n'as pas vu le procès de Ribéry ici, là. Hein? Le procès de l'histoire de Ribéry, des qui t'a dit qu'on prend les nudités ou alors les vidéos d'une fille à son insu et on part balancer ça à une autre personne. Tu es malade pour venir raconter quelle est la loi qui interdit ça. Hein?
Depuis quand tu m'as enregistré à mon insu et tu prends ça, tu montes ça aux autres personnes. Qu'est-ce qui prouve que l'autre personne à qui tu montes là, je voulais que tu enregistres ça à mon insu. Et que je voulais que l'autre personne sache comment tu m'as. Tu es malade pour demander que quelle est la loi qui interdit ça. Ça s'appelle du viol. D'accord? Le phénix, ça s'appelle du viol. Et s'il a fait, ça ne veut pas dire qu'on le déteste. D'accord? Vous prenez la haine partout. On ne le déteste pas. On dit qu'il a montré cette vidéo à Kiko. Il n'avait pas le droit de montrer ça. C'est tout. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il y a la haine. Ça ne veut pas dire qu'on le déteste. C'est même quoi? Quand il était ami avec Kiko, j'étais là. Quand il montrait ça à Kiko, est-ce que j'étais là? C'est même quoi cette histoire-là? J'ai posé la question. Le phénix qui t'a insulté, je t'explique que ça s'appelle le viol. Tu ne peux pas parler avec moi, même si je suis habillée comme je suis là. Supposons qu'on se fait un appel vidéo. Tu parles avec moi, tu m'enregistres à mon insu. Tu n'as pas le droit de m'enregistrer à mon insu. Et tu n'as pas le droit d'aller montrer ce que tu m'as enregistré à ton ami Kiko. C'est tout. Tu n'as pas le droit d'aller montrer ce que tu m'as enregistré à ton ami. C'est tout. Vraiment, comme tu dis. Tu m'as demandé si tu es malade, mais je te pose la question. Comment tu peux demander quelle est la loi qui interdit ça? Je t'explique, ça s'appelle le viol. Pourquoi tu vas enregistrer une femme à son insu? Depuis quand on enregistre une femme à son insu? Droit à l'image, c'est condamné. Voilà les gens qui sont en train de t'écrire, non? Voilà les gens qui écrivent, non? Dangote Pekin dit que soutien total à D'Angelo. Mais qui a dit qu'on doit tuer D'Angelo? Mais les gens sont malades ici. Dangote Pekin, tu es malade, hein? Soutien total à D'Angelo, qui t'a dit qu'on doit le tuer? On doit le tuer pourquoi? Il y a quelqu'un ici là qu'on va tuer ici sur la toile. On le tue pourquoi? Soutien total, qui bagarre avec lui? Qui est en combat avec lui? Qui est en guerre? Vous prenez les guerres partout, hein? Vous pensez que les gens n'ont rien à foutre? Soutien total à D'Angelo, qui a dit qu'on doit tuer? On doit tuer D'Angelo. On doit le tuer pourquoi? Quelqu'un a dit qu'on lui explique ce que voilà ce que tu as fait, point. Voilà la preuve, point. Et alors, ça veut dire qu'on doit le tuer? Soutien total. Soutien total qu'il y a une guerre quelque part. Il y a une guerre. Qui est en guerre avec lui? Soutien total. Oh, tu fais comme si tu bagarrais le soutien de D'Angelo avec quelqu'un. Qui est en guerre avec D'Angelo? Tu n'entends pas que D'Angelo était au courant. Tu n'entends pas que D'Angelo et moi, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a dit que Patricia, dans ce cas-là, lance le direct et crève l'abcès. Soutien total. Comme si quelqu'un est en guerre avec lui. Soutien total. Tu penses que tu es le seul à soutenir D'Angelo? Voici la reine Mébio qui le soutient. Et alors? On va mourir parce que elle soutient D'Angelo et moi je soutiens la victime. On a rien à foutre dans nos vies. Pour un pète-pète, les histoires de Facebook de soutien à 2 balles. C'est même quoi ça? Ok. Donc, maintenant ma question, Patou. Oui. Ma question, c'est que, alors, Pasto A, parce que je sais que tu es clash, Pasto A fait ça, je crois, 4 jours, 5 jours. Maman, Pasto A fait bouffer un djangib mémorable. Oui, c'est ça, voilà. Waouh, Rémi Bio, mon nez a souffert là-bas. Mon nez a souffert. Mais hier, aujourd'hui ou hier, Pasto A encore revenu dessus. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore guéri de cette situation. Oui, ce matin aussi, Pasto A encore revenu dessus, oui. Voilà. Maintenant, Dangelo, lui, comment il a agi pour que tu sortes dessus, Dangelo? Parce que tu dis que c'est Dangelo, c'est pas Dangelo qui a demandé à Pasto de te clasher. Est-ce que Pasto, c'est un enfant? Dangelo est venu encore dans le direct ce matin. Dangelo est venu dans le direct le matin parce que Pasto était encore en train de clasher Tatiana Mimbang. En fait, il fait le même jeu. Dangelo fait le même jeu, en fait. C'est-à-dire que quand Pasto clash, lui fait genre que non, c'est la paix, alléluia, amen, c'est la prière. Mais en fait, c'est lui qui dit, parce que pour moi particulièrement, c'est lui, moi je l'ai eu au téléphone. Avant, c'est lui qui m'a dit que Patricia, vas-y, lance le direct, on crève l'abcès. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit, Rémi Bio, si tu veux, appelle un peu D'Angelo, toi-même, tu demandes à D'Angelo que j'ai dit un D'Angelo, dis-moi un peu la vérité. C'est toi qui avais appelé Patricia pour la foutre d'Angelo. Il va te dire que oui. S'il est honnête, il va dire que oui, j'avais appelé Patricia. Qu'il soit un peu honnête un minimum. C'est lui qui m'a appelé. Ok. Là, il t'a appelé le jour que tu lui ai lancé le direct, c'est ça, non? Non, la veille.
le jour où Pasteur lui-même a déposé le poème dehors, on n'était pas au courant de ce problème-là. C'est Pasteur lui-même qui a déposé le poème-là en plein direct avec Sylvie Tenier. C'est eux qui ont versé ça, waouh. On était au courant de quoi? Rien. On était assis ici comme ça, on regardait aussi le direct. On a vu que le direct a pris la tangente, un coup, bim. Ok. Pasteur parle de quoi, eh? Bim, Sylvie Tenier est montée. Expliquer un problème, un long problème. C'est Pasteur et Sylvie Tenier qui ont mis le poème dehors. Nous, on n'était pas au courant. Ok. Et D'Angelo t'a appelé pour dire que, comme tu viens de causer avec la femme, vas-y, lance le direct, comme qu'il te suit. Et pourquoi il t'appelle pour te dire de lancer le direct et tu as encore clashé, ou que tu as dit aux gens avant d'aller en direct? Je sais. Et aujourd'hui, Pasteur est ressorti et D'Angelo est encore sorti pour renchérir dans le sens de Pasteur pour encore te casser. Oui, les mêmes choses continuent. À un moment donné, je sais pas, ça fait 3 semaines ou 1 mois et tout. Dangote Pikin, tu sais qu'on sait, on sait qui est ton faux profil, non? On sait que qui est derrière ça, non? Hein, Dangote Pikin. Regarde comment, Dangote Pikin, regarde comment toi-même tu viens te trahir. Donc là où tu nous vois là, tu penses qu'on ne sait pas qui est Dangote Pikin. On sait très bien qui est Dangote Pikin. Moi, je ne sais pas. Ah bon? Laisse-le s'embrouiller. Dangote Pikin, continue à te trahir. Tu comprends, non? On sait très bien qui tu es. Tu comprends, non, Dangote Pikin? On sait très bien qui tu es. Donc, continue à chier des pètes-pètes de conneries que tu racontes là. Tu comprends, non? On sait ce que tu es en train de raconter. Regarde, il dit que nous savons tous que vous étiez toutes amoureuses d'Angelo et vous êtes en colère parce que vous êtes déçues. Voilà, les mêmes choses, les mêmes phrases. Il n'y a pas deux personnes qui divulguent la connerie. La même connerie que... En fait, c'est ce que D'Angelo est allé faire croire aux gens. C'est-à-dire que D'Angelo drague une fille. Il dit à la fille que... bonjour. Au lieu de draguer la fille doucement, il dit à la fille que... Tu sais que Patricia, elle est amoureuse de moi. Voilà. Drague une fille doucement, c'est tout. Et c'est D'Angelo Black qui... Oui, c'est lui qui divulgue ça. Je ne sais pas s'il est complexé. Je ne sais pas s'il a un complexe et tout. Quand un homme drague une femme, il doit draguer la femme débat clos. C'est pas que tu dois aller draguer une femme. Voici même D'Angelo Pikin, voici Dangote Pikin qui est en train d'écrire les mêmes choses. On sait qui est Dangote Pikin. Est-ce que c'est que nous sommes bêtes? Quand tu vois ce genre de commentaires, nous tous ici là, depuis là, on sait qui est Dangote Pikin. Tu comprends? On sait qui est Dangote Pikin. C'est un Tintin, on ne le calcule pas, Néa. Charles Christophe, tu dis que tu n'entends pas Dangote Pikin, tu ne lis pas le commentaire de Dangote Pikin. À ton avis, qui est Dangote Pikin? Regarde, lis ce qui raconte. N'est-ce pas? Moi, je bloque tellement, je parlais que c'est qui. Donc, je t'ai dit que. La Black Beauty. Salut, la Black Beauty, j'espère que tu vas bien. La Black Beauty, je suis sur. Comment on appelle ça? Sur officiel. Essaye de mettre un peu d'entrer dans la caméra. Je veux voir si ta caméra fonctionne. Je pense que non. La reine Mébio, tous mes comptes sont bloqués. Hein. Normalement, tous mes comptes sont bloqués. Oui. C'est que sur Facebook, c'est la chute. C'est-à-dire qu'on te cherche et vraiment, on te coupe. Ouais, tous mes comptes sont même bloqués. Tous mes comptes sont bloqués. La Black Beauty, lance un peu la caméra. Je veux juste voir si ça fonctionne, si je veux te prendre. Si ça peut marcher. Maintenant, depuis là, est-ce que vous avez dit que D'Angelo a envoyé l'unité de Kiko, de la fille à Kiko? Depuis là, est-ce qu'on a prouvé ça? Oui, on a. Ouais, ça a été prouvé dans mon direct, non? Le problème, c'est que mon direct a fait 5 heures et tu n'as pas le temps de regarder. Ça a été prouvé dans mon direct. C'est-à-dire que Kiko a dit en audio quand il causait D'Angelo que tu m'as envoyé les audios, les vidéos. Et D'Angelo aussi a confirmé que oui, je t'ai envoyé les vidéos. Oui, c'est D'Angelo lui-même qui confirme avec sa propre voix. C'est ça le bébé. D'Angelo lui-même, il confirme avec sa propre voix que oui, tu te rappelles des vidéos que je t'ai envoyées d'elle, non? Oui, tu te rappelles des vidéos que je t'ai montrées d'elle, non? Tu te rappelles, c'est... On entend D'Angelo lui-même parler avec son ami Kiko. Mais c'est deux amis qui parlent. Mon poème est là où la reine est bio. Donc la vie doit s'arrêter si deux amis parlent. J'étais là, non. Suis-je responsable du débat? Je dis, ma chérie, reine est bio, si toi et moi on parle et je t'enregistre, est-ce que c'est le poème de Tata Lolo? Là, Tata Lolo va dire que, mais attends, Reine Mébio et Patricia ont parlé. Oui. Et alors, si Patricia a réussi peut-être la Reine Mébio, Lolo va dire que mais elle était là. Voilà, c'est un peu comme si, voilà, ils étaient amis. Quel est mon problème là-dedans? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et ça me sert même à quoi de perdre le temps sur les débats comme ça là? C'est ça.
Non, moi, je vais juste, je voulais comprendre pourquoi, comment ça s'est réveillé. Donc, si je comprends bien, c'est la même chose qui continue. Mais la vidéo de la fille, est-ce que ça circule dans les époques ou bien Kiko, à qui Dangelo a envoyé à garder sa confidentielle? Tu dis? La vidéo de la fille, est-ce que ça circule du genre la nudité dehors ou bien Kiko a gardé confidentielle? Non, il a pris, il a montré. Il n'a pas envoyé la vidéo. Il a pris, il lui a montré. Ah, il a montré à Kiko. Oui, il a montré à Kiko que regarde. Il a montré à Kiko. Ah, ok, regarde les vidéos de la fille. Toi, c'était en téléphone vidéo. Oui, il a pris, il lui a montré. Ah, d'accord. Mm-hmm. Et Kiko n'a pas, comment je vais dire, Kiko a la preuve de ce qu'il lui a montré ou bien c'est soit dans les conversations qu'on voit qu'effectivement, il dit, tu vois, je t'ai montré la vidéo de la fille. C'est lui qui dit, c'est la voix de D'Angelo lui-même qui dit que tu te rappelles de la vidéo que je t'ai montrée d'elle, non? C'est lui-même qui parle, lui-même D'Angelo. Ah, d'accord. Ah, c'est lui-même D'Angelo qui parle. C'est ça où j'ai... Moi-même, quand il a fini de... Quand j'ai écouté, j'ai appelé D'Angelo, j'ai dit que, écoute, il y a des preuves compromises là, puisque c'est sa propre voix qui parle. En fait, c'est deux amis qui parlent. Et l'un enregistre l'autre à son insu. Et l'autre lui dit que... L'autre lui dit que tu te rappelles des vidéos et tout. Quand tu m'avais... L'autre lui dit que oui, tu te rappelles de la vidéo que je t'ai montrée. Malheureusement, c'est D'Angelo qui parle. Voilà. Il a montré. Et la fille, il détient que les vidéos de nudité. La fille peut aussi avoir la vidéo de la fille normale aussi. Hein. Mais quand Pico a expliqué, c'est la nudité en fait qu'il a montré. La dite vidéo qui n'est pas bonne, compromettante. Tu dis? Quand Kiko a expliqué, c'est la vidéo compromettante qu'il a montré. Parce que s'il était en flirt avec la fille, il peut avoir des vidéos compromettantes. Il peut aussi avoir des vidéos de causerie, il peut avoir toutes sortes de choses. Ouais. Bah, en tout cas, bref, parenthèse. Donc ça fait que, si je comprends bien, D'Angelo a joué un jeu dangereux. C'est-à-dire qu'il a, il sortait avec la fille et il avait fait un feedback avec son ami en parlant du débat qu'il a eu avec la fille et en montrant à son ami. Et son ami n'a pas pu enregistrer peut-être, mais son ami a quand même vu en vidéo. La fille dans ses pas ok. Et la fille est mal parce que ça... Non, je corrige la haine, mes bio. Parce que je n'aime pas quand c'est faux, je corrige. Talita Courtaise, oui. Je te réponds. Tu sais, Talita Courtaise, tu as le droit de soutenir D'Angelo. J'ai le droit de soutenir la fille. La reine, mes bio, que tu vois là, la Black Beauty, elle est dans mon direct. Elle soutient D'Angelo. Ça ne veut pas dire que nous avons un problème. Elles ont le droit. Tu penses que quand tu vas venir soutenir D'Angelo, ici, tu n'as pas le droit. Talita Courtaise, tu as le droit de soutenir D'Angelo. Donc maintenant, Reine des Bio, je corrige. C'est Kiko lui-même qui demande à D'Angelo Black que montre-moi les vidéos. Pourquoi? Parce que D'Angelo Black dit à Kiko. Écoute bien. Hein? D'Angelo Black dit à son ami Kiko. Talita Courtaise, écoute bien la partie ici. D'Angelo dit à son ami Kiko que... Oui, la fille est nymphomane, la fille est ceci. Bref, il était en train de décourager, il était en train de dénigrer, on va dire, la fille. Il lui dit à son ami, c'est deux amis qui causent, non? Talita Courtaise, écoute. Il dit à son ami que oui, vraiment, elle m'envoie des vidéos. Je pense qu'elle est nymphomane, elle n'est pas bien, elle est psychologiquement dérangée et tout. Écoute bien la reine Nebio. Quand il finit de lui dire ça, Kiko lui demande que, puisque tu dis qu'elle est nymphomane, montre-moi. C'est Kiko, l'ami, qui demande à D'Angelo que montre-moi les vidéos que tu dis qu'elle t'envoie là. D'Angelo prend la vidéo et dit que regarde. C'est là où il montre donc la vidéo à Kiko. Tu as compris, non? Maintenant, la vidéo, Talita Courtaise, la vidéo que D'Angelo Black a montré à Kiko, la fille n'était pas nue. J'ai déjà dit 100 fois ça dans mon direct. Je ne sais pas comment vous écoutez. La fille n'était pas nue. La fille avait un foulard. Elle avait les écouteurs et elle avait le drap jusqu'au niveau de la poitrine. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas son sein et on ne voyait pas sa nudité. J'ai déjà dit ça 1 million de fois dans mon direct. Maintenant, la fille n'étant pas nue, le reproche, en fait, c'est que la fille reproche, la plainte de la fille, c'est que cette vidéo-là, Kiko a vu, mais c'est une vidéo qui a été enregistrée à son insu. C'est-à-dire que pour elle, quand elle cause avec D'Angelo, D'Angelo la registre sans qu'elle ne sache. C'est tout. Elle a été enregistrée à son insu selon la qualité de la vidéo que Kiko, lui, il a vue. C'est tout. Donc, certaines personnes pensent que non, je soutiens D'Angelo et tout. Non, il n'y a pas le je soutiens D'Angelo. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. C'est un problème d'argument, donc contre argument. Voilà la Black Beauty qui dit, ah oui, je soutiens D'Angelo Black depuis le début. Est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. Elle est dans mon direct. Elle a le droit. Ça s'appelle argument par argument. Moi, je dis ce que j'ai comme argument.
La Black Beauty peut dire ce qu'elle a comme argument, mais c'est tout. Et personne ne meurt. Pourquoi vous pensez que quand un poème arrive sur la toile, les uns soutiennent les autres, ça dit que il y a eu la jeune fille là, comment on appelle la jeune Coco Emilia par exemple, qu'on a filmée dans un hôpital. Moi je peux dire que c'est bien qu'on l'ait filmée parce que ça permet de savoir qu'elle va mieux, elle marche et tout. Mais toi tu peux arriver, tu peux dire que non, ce n'est pas bien. Parce que ça nous a permis de voir qu'elle était vraiment à l'hôpital. Et alors, il n'y a pas de débat, ça dit qu'on peut avoir deux choses différentes. Toi, tu peux trouver que c'est bien, l'autre peut trouver que ce n'est pas bien. Ah, là, tu expliques mieux. Mais oui, Talita Koutez, mais parce que vous ne voulez pas, c'est qui a demandé à D'Angelo que, comme tu dis qu'elle est nymphomane, virgule, montre-moi, je vais voir, puisque tu dis qu'elle t'envoie. C'est tout. D'Angelo a pris, il a montré. Et ça a été dit dans mon direct. Moi, je ne sais pas pourquoi vous continuez à parler de midi à 14h. D'Angelo prend, il montre. Mais lorsque D'Angelo montre, qui qu'on se rend compte, qui est son ami, hein? C'est lui son ami. Je n'étais pas là. Qui qu'on se rend compte que la vidéo que D'Angelo lui montre est une vidéo que lui, il pense que D'Angelo a enregistré ça à son insu. Pourquoi? Parce que dans les vidéos que la fille lui a envoyées, la fille lui a prouvé que regarde Kiko, voici les photos et les vidéos que j'ai déjà envoyées à D'Angelo. Dans les vidéos là, il n'y a pas la vidéo que D'Angelo lui l'a montré à son ami Kiko. Il n'y a pas ça. C'est là où Kiko dit que, aïe, de toutes les preuves, les photos et les vidéos que la fille s'y me montre, mais en fait, il n'y a pas la vidéo que D'Angelo lui m'a montré de la fille. C'est là où Kiko dit que, aïe, donc ça veut dire que mon ami D'Angelo est un gars qui enregistre la fille à son insu. Il est là le débat. Oui, c'est tout simplement ça. Il est là le débat. C'est tout. Est-ce qu'il y a, une guerre là-dessus? Il n'y a pas de guerre. Et puis chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. C'est quoi le débat après? Le débat n'est pas là, c'est tout. Moi, je me base sur l'audio que j'ai écouté, même chez toi. Attends. Même chez toi. No, yeah, feeling, please. Ah, maman, la fille a terminé en anglais. montrer une photo d'une fille habillée est condamnable. Enregistrer une personne à son insu n'est pas aussi condamnable. Ouais, allô, le Félix. Comment tu fais comme si je suis obligée de te convaincre? Puisque lui, il a enregistré la fille à son insu. C'est ça qui est condamnable. Maintenant, si tu veux parler de l'enregistrement que son propre ami Kiko lui a fait à D'Angelo, il a enregistré à son insu. Est-ce qu'on a menti que l'ami ne l'a pas enregistré à son insu? Bien sûr, l'ami est venu parler dans mon direct, non, qu'il a enregistré son ami à son insu. Il a dit qu'il a enregistré son ami à son insu parce qu'il voulait chercher les preuves. Et il voulait chercher les preuves de ce que la fille disait. C'est tout. Il avait des doutes par rapport à son ami. Mais le Phoenix, je vais te poser une question. Réponds-moi un peu. Quand Kiko était ami avec D'Angelo, était ami avec Afam, la question comment elle te pose, moi, était là. C'est une amitié d'entre trois garçons qui a mal tourné. C'est fini. Leur amitié s'est gâtée. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'est une nouvelle amitié qui se gâte. Même si la femme n'est plus à l'église. Et alors? Est-ce qu'on est obligé de passer par un clash pour que la femme ne soit plus à l'église? La femme peut vivre sa vie sur sa page et de comme vivre framponne à l'église dans sa page. Et puis chacun est content. Ceux qui veulent suivre, écouter la femme, écoute la femme. Ceux qui veulent écouter de comme, écoute de comme. Mais ce n'est pas obligé d'être une guerre. Ce n'est pas obligé d'être un clash. Ils peuvent se séparer en grand. Pourquoi ils sont obligés de se clasher? Ils sont pas obligés. Faut pas violer l'intimité de quelqu'un. Voilà Ruby Noir qui répond. Faut pas violer l'intimité de quelqu'un. Ok. Maintenant, alors, si je comprends bien, c'est que quand D'Angelo t'a dit tu peux aller en direct pour qu'on en finisse, peut-être qu'il n'avait pas mesuré la qualité du direct qui devait se faire, peut-être. Et là, quand c'est sorti avec tout, peut-être avec des compétitions sont compassées, qui t'avait donné le bout d'ordre. Merci. Mais la reine met bio. Oui. Si tu veux savoir cette histoire, prends ton téléphone aussi, l'appelle un peu D'Angelo. Dis à D'Angelo que, D'Angelo, quand toi, c'est toi qui as appelé Patricia dans ce dossier, oui ou non, il va te dire que oui. S'il est honnête, il va te dire que oui. Maintenant, pose-lui la question que, quand Patricia a fini d'écouter les autres pendant 5 heures de temps, est-ce qu'elle est venue te faire un rapport? Il va te dire que oui. Est-ce que tu as dit que tu appelles la bulle? Il va te dire que oui. Dans la bulle, il y avait qui? Il y avait Sylvie Tenier et Dekoma Mougou. Qu'est-ce que Patricia t'a expliqué? Patricia t'a expliqué que j'ai des preuves compromettantes. Les autres ont réussi à me convaincre.
Parce que, et D'Angelo Black a dit que, si Bitenia m'a dit que Patissa, non, ne lance pas ce direct, et tout ça là, et tout. J'ai dit que non. Comme vous avez déjà framponné la fille, laissez la fille s'exprimer une fois de plus, une fois pour toutes, parce que la fille voulait demander les excuses. Et la fille est venue, elle a présenté ses excuses dans mon direct. C'est tout. Donc la fille est venue, elle a présenté ses excuses, et après Kiko est venu, il a expliqué ce qui s'était passé entre son ami et lui. J'ai dit à la reine bio, c'est des nouveaux amis qui se séparent. Pour deux amis ou trois amis qui se séparent, on a besoin de faire 500 000 directs. C'est même quoi? Ah oui. Ah oui. Donc c'est ça. Ok, je comprends alors l'acharnement. Bon, toi tu es zen, car cela ne tient. Parce que la sortie de Pasto surtout était quand même assez musclée, mais toi tu n'as pas géré. Qui Pasto? C'est parce que le buzz continue que tu es sorti pour dire, mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Le buzz fait quelque chose. Reine mes bio. Reine mes bio. La Black Beauty. Pasto a pris mon nez. C'est-à-dire qu'il a pris mon nez si en gros, en large, alors en large. Mes joues, oh, il a expliqué que mes joues sont comme c'est quoi. Ah bon, il a parlé de mes fossettes. Il a dit que mes jambes sont comme si c'était quoi, oh. Mais ceci sont. Mais il t'a vu, Oui, parce que m'avait vu à la comment on appelle ça? Parce que m'avait vu à l'anniversaire de Warriors. Parce que m'avait vu chez Warriors. Ah oui. Tu avais donné le contrat après la côte déchirée. Je me rappelle. Oui, parce que m'avait vu à l'anniversaire de Warriors. Voilà. Ah, non, nous sommes des grandes personnes et puis que passe tout se ressaisisse, tu sais. Dans la vie, on ne résout pas tout avec le clash. Voilà. Quand on prend de la grandeur, et c'est ce que Pasto ne veut pas comprendre. Quand on prend de la grandeur, et rappelle-toi toujours que c'est Pasto qui remet toujours l'histoire là, hein. Après, tu vas voir Pasto va lancer que oui, mon église est attaquée. Mon église est attaquée. Personne n'attaque son église, hein. Ce matin, c'est encore Pasto qui a encore recommencé l'histoire là. Oh, Tatiana Mimba est partie parler chez Tatouk. Elle est partie parler chez Tatouk. Et si tu fais vie ignorée, Pasto, ça fait quoi? Pasto, si Tatiana Mimba n'a pas parlé chez Tatouk, si toi tu fais vue ignorée, ça va faire quoi? Ça va t'enlever quoi? Ken Djangui, toi tu m'as pas fait bouffer sur ta page. Je n'ai pas fait vue ignorée. La vie ne continue pas. Les autres Japap ne sont pas venus. Les Japap arrivent chaque jour, mon frère. C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut dire sur l'église que toi tu ne vas pas faire vue aussi ignorée et ça passe? Tu peux faire vue ignorée, hein. Tu n'es pas obligé de continuer sur ce dossier. En tout cas, si tu veux, tu continues. Moi, je ne suis plus dans ce dossier-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette histoire, moi, j'ai demandé à la femme que non. La femme, Pasto, c'est ton grand frère. Tu ne l'insultes pas, c'est tout. Pasto insulte la femme et tout. Ma chère me dit, soit, mais ça veut pas dire que la femme aussi doit répondre par les insultes. Pourquoi? C'est obligé de répondre par les insultes. C'est pas obligé. Sinon, comment ils vont être des donneurs de leçons et ils sont des hommes, ils vont se quereller comme des femmes? C'est pas normal. Non, il faut jouer sa sport. Il faut jouer sa sport. Ben oui, c'est tout. Même dans Jolo, je crois pas qu'il a fait une sortie par rapport à ça. C'est mieux de jouer sport, quoi. Ouais, mais. Donc, c'est ça, moi, tu sais, moi, c'est un dossier d'abord du mystère. Quand toi, tu as pu se chanter, moi, je t'ai pas. Ah, Pasto est là. Pasto est là. Pasto dit que. Patricia, demande à ta victime quand est-ce que tu as été au courant. Oui, oui, Pasto, je vais te répondre. Voici Pasto ici dans mon direct qui a déjà lavé mon nez. Pasto, tu as insulté mon nez jusqu'à tu as fait la chanson sur mon nez. Yeah, Pasto. Quand tu étais ami avec la femme, j'étais là, Pasto. La femme, c'est ton frère, hein. Vous êtes mon Napoléon ici, là. Tu vas faire comme ça, quoi, tu vas encore aller faire la paix avec la femme. Je te dis ça devant la reine Mébio, je dis ça devant tout le monde. Les gens qui mettent leur bouche là-dedans, quand la femme, toi, tu es là, toi, Pasto, la femme, c'est ton petit frère. Demain, quand vous allez vous réconcilier, les gens qui ont mis leur bouche là-dedans vont se mettre à pleurer. Voilà ce que j'ai dit à ton petit frère, la femme. De comme t'insulte, mais toi ne réponds pas. Parce que c'est toi l'aîné. C'est de comme l'aîné. Donc, il n'a pas besoin de te répondre par les insultes. Non. De comme Amougou. Moi, je suis pas d'accord. Tout le monde a aimé ton duo ici avec la femme. Si tu veux te séparer de ton petit frère, tu peux te séparer de ton petit frère en cachette. Hein, la reine Mébio? Il peut se séparer de la femme en cachette, c'est-à-dire que la femme commence à parler dans sa page et Docom commence à parler aussi dans sa page. Et personne ne saura, on va seulement constater que la femme ne frappe plus dans la page de Docom, c'est tout.
Donc, de comme Amougou, comme tu es là dans mon direct, voilà ce que je vais te répondre. De comme Amougou, je vois ton commentaire là. C'est Patou et Bongué qui était venu te dire, je crois que c'était le 19 mars ou bien quoi. Oh. Patou et Bongué était venu te dire que sa soeur SJ a un problème parce que c'est la cousine de comment elle s'appelle? C'est la cousine de Patou et Bongué. Donc Patou et Bongué était venu te mettre au courant qu'il y a un problème par rapport à sa cousine de Com. Afam est un refoulé abîmé avec Tamra Kata et attends. Il y a de Com. Remedio, je vais raccrocher. Oui, raccroche ma série, chérie. Oui. Bye bye. Je réponds à de Com. De Com Amougou dit que quoi? Attends, de Com. Patricia, demande à ta victime quand j'ai été au courant, c'est tout. Mais de Com Amougou, je t'ai répondu non. La victime, la femme était un refoulé abîmé avec Stamba Kata Panthère du zoo. Je n'étais pas. Voilà. Maintenant, de Com Amougou, reste là, je te vois en commentaire, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je n'étais pas là. Bon, de Com Amougou, tu dis que la femme est un refoulé. Bon, de Com Amougou. Afam ne commente plus dans ton église, non. Afam est sur sa page, Afam. Toi, tu es sur ta page de Com Amougou. Il y a alors quoi? Si leur refoulé, mais chacun peut commenter dans sa page, non, de Com. C'est toi l'aîné. Supposons que Afam est refoulé, comme tu dis. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous cacher, de vous clasher? N'est pas vous êtes des hommes. Répondez aussi, non. N'est pas vous êtes des hommes. Si tu dis que Afam est refoulé, ok, d'accord, on a déjà compris ça. Mais ne le clash plus. Chacun vit sa vie. Vous faites ça comme des grands hommes. Tu n'es pas obligé de clasher avec la femme. Tu peux te séparer avec la femme. On ne sait jamais. Je ne déteste personne. Mais je ne suis plus là-bas. Le coquillage. Oui. La femme ne te déteste pas. Toi aussi, tu ne le détestes pas. Il y a donc quoi? C'est quelle séparation que vous allez nous imposer comme ça que vous querelez? Vous vous querelez pourquoi? Il y a quoi? Chacun peut rester de son côté, non, de comme. C'est toi l'aîné. Prends de la grandeur. La femme, c'est ton petit frère. Il est sur sa page. Toi aussi, tu es sur ta page. Est-ce que vous êtes obligé de nous imposer le fait que tu t'engueules avec lui? Tu n'es pas obligé de comme. Maintenant, de comme, je te réponds encore. Si ce clash, c'est leur choix, plaide pour sortir ton nom dans la boue, maman. Je vais sortir mon nom dans la boue comment? Alors que une histoire qui ne me concernait pas. De comme m'a fait bouffer le Ndjangi. De comme Amougou. Tu as insulté mon nez jusqu'à insulter mes joues dans ta chanson jusqu'à ce que tu dis que Patricia Mel refoulé, Patricia Mel refoulé. de Com Amougou, tu es dans ce direct. Moi, je voulais te parler. De Com Amougou, tu es un homme. Ne fais pas comme nous les femmes. Tu vois, non? Regarde la reine Mebio, elle te soutient. Elle soutient Dangelo Black. Mais tu vois, nous sommes des grandes dames. La reine Mebio et moi, nous sommes pas en guerre. La Black Beauty, elle, là, elle commente dans mon direct. Elle soutient Dangelo Black. Là, voilà qui écrit qu'elle soutient Dangelo Black. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi nous les femmes, on a réussi à chacune a pris sa position pour un truc. Mais toi, l'homme, toi qui es un homme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la femme jusqu'à ce que ça ne finisse pas? Si tu dis que la femme est un refoulé, papa, on a compris, non? La femme a sa page, non? Il parlera dans sa page. Toi aussi, tu parles dans ta page. Chacun reste dans son coin. On gère aussi des nouveaux dossiers. Tu comprends, non, de Com? C'est tout. On peut gérer des nouveaux dossiers. Moi, tu m'as lavé, séché, rincé. Moi, tu m'as lavé, séché, rincé. Mais pourtant, je suis pas venue t'insulter, ni te clasher, ni quoi que ce soit. Tu as fait la chanson pour m'insulter. Je ne suis pas venue t'insulter. J'ai des trucs en grand. Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Tu ne peux pas me voir avoir un problème avec Reve Ndiaye parce qu'elle a dit qu'elle supporte la Dangelo Black. Voilà la reine Mebio avec qui je parle. Il n'y a pas de problème. Elle supporte Dangelo Black. C'est son droit. La Black Beauty soutient Dangelo Black. C'est son droit. Est-ce que tu as vu quand nous, les filles, il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Dangelo Black, c'est un pervers des réseaux sociaux. Patou et Bongué. Quand Boumkena dit, Disa Kamditali a dit que Dangelo Black est un pervers narcissique. La femme vient nous dire où tu framponnes quoi. Je n'arrive pas à lire.
Patricia, tu n'étais pas celle qui devait conjuguer cette histoire. La preuve chez Sam Brakata. Tu m'avais donné raison. Ouais, Dekom. Dekom, j'ai encore une question à te poser. Dekom, quand j'ai fini 5 heures, toi voilà dans le direct, mon frère Dekom. Quand j'ai fini 5 heures de temps avec Afam, quand j'ai fini 5 heures de temps avec Afam, n'est pas, j'ai appelé D'Angelo. J'ai appelé D'Angelo, j'ai dit à Afam que, okay, moi je m'avais appelé D'Angelo. Quand j'ai appelé D'Angelo, n'est pas, j'ai expliqué à D'Angelo que, ils ont dit que, il faut que je lance le direct parce que la victime veut s'exprimer. Quand après D'Angelo a dit que ok, est-ce que tu veux que j'appelle ma bulle pour leur informer que c'est toi qui vas lancer le direct, j'ai dit que oui, informe la bulle. Tu étais dans la bulle, non? Toi et moi on a causé, non? D'Angelo a dit quoi? De comme dit la vérité. D'Angelo a dit que Patricia, comme tu veux lancer le direct comme ça tu crèves l'abcès en même temps, on en finisse une fois pour toutes parce que la fille dit que je la harcèle et tout ça là. C'est vrai, non? C'est ce qui s'était passé. Sylvie Tenier a dit que non, Patricia, ne te mets pas de cette histoire, ne lance pas le direct. Je dis que non, Sylvie Tenier, comme la victime veut s'expliquer, qu'elle s'explique une fois pour toutes et qu'on entende, la victime s'est excusée. Le débat est où? Le vieux PLA aime trop me prononcer. Ouais! Donc, vous voulez que l'histoire, Sam Brakata vient dire que le vieux PLA, vous voulez que l'histoire la continue jusqu'à quand? Le problème, c'est que, de Komamougou. Personne n'attaque ton église. Dans la vie, sur Facebook, si, il y a des choses que tu dois faire aussi vues et ignorées. Apprends à faire des choses vues et ignorées. Le vu et ignoré, là, ce n'est pas parce que tu es faible. Patricia, sache que c'est derrière moi que Afam connaît beaucoup dans notre game. Mais c'est toi l'aîné, non, de Komamougou. Même si Afam connaît derrière toi, c'est toi l'aîné. Tu serais d'accord, deviens toi de Komamougou. Toi, tu serais d'accord que j'entre dans un clash avec Lolo, j'entre dans un clash avec la reine Nebio. Pourquoi je n'entre pas dans un clash avec la Black Beauty? C'est toi l'aîné. Est-ce que clasher est obligé? La femme, c'est ton petit frère. Chacun reste dans sa page. C'est quelle séparation qui est difficile comme ça là? C'est toi qui donne les conseils aux femmes. C'est toi qui conseille les clasheuses. Ça fait quoi? Bon, de Komamougou, si tu as appris beaucoup de choses à la femme, et alors? Maintenant, tu as dit qu'il est refoulé, non? Mais chacun prend sa route, non? Pourquoi la séparation, c'est difficile comme ça, là? Nous, les femmes, on se clash ici, là, chaque jour. Ça ne gêne pas. Ça ne chauffe pas. C'est quoi? Toi, tu es quand même un homme. Personne ne peut attaquer mon église. J'ai un cas, oui! Mais si personne n'attaque ton église, pourquoi tu rembourras? Chaque jour, c'est toi qui recommences encore l'histoire que, oh, mon église a attaqué. Oh, mon église a attaqué. Personne n'attaque ton église. C'est tout. Personne n'attaque ton église de Komamougou. Regarde, te voilà qui m'a insulté. Regarde mes, de Komamougou, regarde mes grosses cuisses que tu as insultées. Tu m'as lavé tout mon corps. Tu as insulté mon nez, insulté mes joues, insulté mes grosses cuisses. Mais c'est, moi, j'ai fait du vieux ignoré. Tu as chanté la chanson que je suis refoulée pour ton petit frère à femme. Parce que tu te querelles avec ton petit frère, c'est pas grave. Mais moi, j'ai fait du vu et ignoré. Pourquoi moi, je n'ai pas pris aussi la caméra pour venir t'insulter? Je t'insulte pourquoi? Quand D'Angelo était avec un inbox avec SJ, j'étais là, j'étais pas là. Il y a quoi? On te framponne. Tu ne quittes pas comment? On apprend tous de quelqu'un, ça, Brakata, passe. Cœur de poulet. Tu as un problème aussi avec Sam Brakata. Mais attends, voilà. De Komamougou, ce n'est pas toi qui étais dans le direct de Sam Brakata le jour là. On s'était croisés dans le direct de Sam Brakata, non? Ah bah. Donc, de Komamougou. Sache que, voilà quoi. Moi, je voulais te dire, tu sais, dans la vie, si tu dis que c'est vraiment toi qui connais, oui, tu dis que Dangote Pikin, je sais qui tu es. Oui, je sais qui tu es. Tu dis que big up à l'église de Pasto. Big up à l'église de Pasto. L'église de Pasto a quel problème? Qui discute l'église de Pasto avec Pasto? L'église est en guerre. Il y a une guerre quelque part. Il n'y a aucune guerre nulle part. Pourquoi vous voyez la guerre partout? Il n'y a pas de guerre. Moi-même que Pasteur a clashé, il n'y a pas de guerre. Vous voyez la guerre partout. Vous pensez que les gens ont le temps de la guerre. Les gens ont le temps des fausses guerres, des clashs et tout ça là.
Donc, de comment, Mougou? Voilà, je te vois dans mon direct. Moi, j'étais partie sur le fait que les gens ici sur la toile sont nos Napolais. On a vu les gens se séparer. Regarde, parfois, toi, de comment, Mougou? Tu as déjà clashé ta tout qui s'y l'a fatigué. Tu as clashé Tatouk ici, la fatigué. De comment, Mougou? Toi, tu ne parles pas souvent dans les directs de Tatouk. Tu parles dans les directs de Tatouk. Tu es en paix avec Tatouk maintenant. Pourtant, tu as l'habitude de clasher Tatouk, mais gravement. Qu'est-ce qui nous prouve que si on met notre bouche là-bas dedans, demain, tu vas pas aller te réconcilier avec ta femme? Moi, toutes les histoires de... Moi, je ne considère pas ça. Tu comprends? Hein? Parce que les blogueurs ici, là, sont trop non-napolais. Demain, c'est que... Regarde le nombre de fois que tu as clashé Tatouk. Même Amer Kamer, tu as lavé, séché, rincé Amer Kamer ici là, mais pourtant toi tu pars dans le direct d'Amer Kamer. Donc moi je n'entre pas dans vos problèmes. La femme reste ton petit frère, chacun a sa page, chacun reste dans son coin et puis chacun fait ses directs de son côté, c'est tout. Maintenant l'affaire d'Angelo Black, l'affaire est à la justice et puis que la justice se tranche, c'est tout. La victime a porté plainte, elle a le droit parce que elle se plaint de ses vidéos, c'est tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre. Pasto, lance ton direct s'il te plaît. Oui, il a le droit de lancer son direct. Il a le droit de lancer son direct. Vous pensez que Pasto, qui est en guerre avec Pasto? Jusqu'à tu viens lui dire que lance ton direct. La guerre est où? La guerre est où? Il y a une guerre quelque part. Moi, je vois pas la guerre, vous voyez la guerre partout. Le hic est que depuis le début, la femme ne l'a jamais attaqué, c'est le contraire. Oui, la femme ne l'a pas insulté. J'avais demandé, tout le monde sait. De comment Mougou sait que moi j'ai demandé à la femme de ne pas l'insulter. De comment Mougou, ça reste ton, la femme reste ton petit frère, de comment Mougou. Je lui ai dit de ne pas t'insulter. Tu le sais, de comment. Voilà. Donc tout ce que tu, toutes les insultes que tu peux insulter à la femme là, insulte à la femme, mais la femme ne va pas t'insulter. La femme est déjà passée à autre chose. La femme est déjà même demandé pardon aux gens. La femme est passée à autre chose. Il fait ses directs, il parle des sujets d'actualité. Voilà, de com. Voilà. Ok, ma femme, ok, je vous donne les mains. Dangote Pikin, tu as bloqué Steve Kamga, pourquoi? Cœur de poulet. Ah, ça c'est Patou et Bongue qui pose la question. Ok. Ben, de comme, écoutez. Voilà, ça c'est... Convaincu donc ce soir pour lancer. C'est un faux débat. Le truc est passé depuis. Et puis voilà quoi. Donc si tu, toi-même tu envenimes cette histoire, après ne te plains pas que voilà, le problème ne finit pas. Le problème est passé depuis longtemps. L'argent ne remplace pas. Patissa, sache que c'est derrière moi que Afam a connu notre game. L'argent ne remplace pas le gourmet. Qui a le gourmet? Heureusement qu'il est encore. C'est une histoire de deux personnes qui se sont séparées. De comment Mougou a choisi les étoiles? C'est... Ah! Le fait que Afam a dit que de comment Mougou a choisi les étoiles, tu estimes que c'est une insulte. Ok, de comment Mougou. Bon, s'il a dit que toi, tu as choisi les étoiles, et que bon, supposons même que c'est une insulte de com. Supposons que tu estimes que il a dit qu'il a choisi les étoiles, que tu as choisi le côté des étoiles parce que D'Angelo Black donne beaucoup les étoiles. Mais voilà, si tu fais vu et ignorer, ça va, je fais quoi? Tu peux faire prendre la grandeur, vu et ignorer. Voici mon nez que tu as insulté, non? N'est pas j'ai fait vu et ignorer. Tu as sorti la chanson pour insulter mon nez. J'ai fait vu et ignorer. C'est pas tout qu'on prend en considération. Si chaque personne doit prendre chaque chose qu'on prend en considération, on va s'en sortir de comme. On va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. D'accord, de comme Amougou. Si chaque personne dit que l'autre avait dit que l'autre avait dit que l'autre avait dit que, est-ce qu'on est, on est obligé de parler de tous les détails? Voilà, la femme, ça reste ton petit frère. Il peut dire ça, tu le nagues. C'est-à-dire que tu fais comme si tu fais du vie ignoré, tu fais comme si tu n'as pas écouté. Et puis la vie continue. Il y a les sujets de société chaque jour. Tu parles des autres sujets, non? Il y a les framponnements chaque jour. Il y a les trucs qui tombent chaque jour. Mais qu'il choisit la lune, non? Si de com a choisi les étoiles. De com Amougou, la femme reste ton petit frère. Voilà, la femme ne va pas...
ne va pas tomber dans les insultes et tout ça. Vous vous êtes séparés, vous aviez un beau duo avant, chacun a pris sa route et personne ne va mourir. Voilà. Vous n'êtes pas les premiers à vous séparer. Même là-bas chez les bonsoir livreurs de pizza. De Komamugu. Ah, bonsoir livreur de pizza. Que partout est Bangali livre les pizzas. Apparemment, je pleure le gourmet pour info. J'aimerais bien qu'on mette le gourmet un jour. Ben, c'est pareil, Tatiana Bimban. Que tu pleures le gourmet. Mais c'est la même chose qu'on explique sur moi, non? C'est la même chose qu'on raconte de moi, que D'Angelo Black raconte de moi. Le problème, c'est que, Pasto, D'Angelo te laisse ici sur un grillage comment? Comment ça, il a laissé sur un grillage? Vous avez les sous-problèmes. Hein. Bref, on a autre chose à faire. Donc, la famille, on est ensemble, non? Vous savez, moi, je n'ai pas le temps de lancer les directs chaque jour. Et, hein? Bonsoir, Malos Maque, l'étoileur. Malos Maque, Malos Maque, Malos Maque. Malos Maque. Patou Bongé dit que, bonsoir, Patou Bongé. La gamelle et la sauce gombo. Malos Maque, Malos Maque, Malos Maque. Voilà, on est ensemble les amis et puis voilà quoi. La victime a fait ce qu'il fallait. La victime s'est rapprochée au niveau de la justice. Voilà, elle a déposé sa plainte et puis maintenant voilà quoi. La victime n'a plus besoin de s'exprimer par rapport à ce sujet. C'est-à-dire qu'elle peut parler d'autres sujets sur la toile, mais elle n'a plus besoin de ça. Et puis voilà quoi. C'est ce qui s'est passé et puis voilà. Le débat est clos. Bon, je vous fais plein de bisous. C'est le week-end. C'est un long week-end même en plus. Donc, long week-end. Et puis, D'Angelo Black, tu peux passer ta vie hein, à continuer à dire à Dekom Amougou de m'insulter. Voilà, tu peux continuer à le faire. Et puis, Dekom Amougou, je ne vais jamais lui répondre des insultes et tout. Il peut me framponner. Il a même chanté une chanson pour m'insulter parce que je sais que c'est toi qui dis à Dekom Amougou de m'insulter. Donc voilà, donc je ne suis pas là-dedans. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Patou et Bongé, je possède une carte Infinity. Ok. De comment Mougou, Patou et Bongé, c'est ton petit frère. Toi, tu te clashes avec Patou et Bongé, que ça va te donner quoi? Laisse les clashs de comment Mougou. Ne mets pas les organes sur l'histoire là. Ne mets pas les organes de comment Mougou. Ne mets pas les organes. Nous-mêmes, comment tu vas mettre les organes sur une histoire de deux personnes? Tu étais là quand ça a commencé avec SJ et D'Angelo Black. De comment Mougou, moi je vais te poser une question. Hein. Réponds-moi. Est-ce que toi tu étais là quand ça a commencé avec SJ et D'Angelo Black? Quand ils s'appelaient là, quand ils étaient inbox, est-ce que toi tu étais là? Pourquoi tu mets les organes? Ce n'est pas l'église qui est framponnée. Tu mets les organes pourquoi? SJ a déjà porté plainte, non? Le problème est déjà la justice, non? Tu mets alors les organes pourquoi? Le débat est clos. Il y a plein de japap. C'est comment? C'est le seul japap. Pasteur, j'ai commandé de nouvelles chaussures pour toi. S'il te plaît, envoie-moi ton adresse. Ok. Ok. Ben écoutez, je vous dis au revoir. Et puis, j'entre à la maison là. Je vous dis au revoir. Bonne soirée. Hein. Bisous.